is by far the best team. Play so well together because they all know how to play the game correctly, and we're just a step behind. I think Kikis is an upgrade in terms of everything, really. Yeah, I really think Kikis is helping because he's a really positive guy, and he's also good in game, and he talks a lot in game. He always tries to cheer everyone up. I think best player is Mitty. That was sexy, yo. Combo meter is 100% right there. Temper Fatal on 3 members plus his own jungler. Champion Fur is really good as well. Honestly, I'm pretty sure if you put Yellowstar with Sven and you put me with Reckless, the lane itself wouldn't change much. The worst thing that can happen is the ties, so ties are okay, but loss will happen. If we wanna get up second place, we should win G2. Eh, allez, on va pouvoir partir pour la dernière journée de ce Summer Split LCS EU, la journée où tout va se concrétiser pour les deux équipes. Je serai en compagnie de Nono, le grand, l'unique, le beau. Comment ça va, Nono? Ça va pas mal, mon cher Tech, surtout que j'ai appris qu'il va y avoir une journée exceptionnelle la semaine prochaine sur Gaming TV. Un potentiel 16 heures d'activité pour Nono semaine prochaine. Donc les mecs, il y aura du Nord à vendre. Hein. Sur une journée de 24 heures comptées. 16 heures de cast et de stream. Ça envoyait du lourd. Ça envoyait du très très lourd. Donc voilà, donc j'ai appris ça, donc j'étais plutôt content. Bah, et là, en plus, j'ai appris que je savais que je commentais avec toi. Et la joie était intense. Mais toujours. Était complète. Le plaisir total de commenter avec le bon Nono. Comme toujours. Donc là, on va commenter le Schalke 04 versus Vitality. Peut-être les deux équipes qui ont le classement le plus serré. On a deux équipes avec égalité parfaite actuellement. Donc je pense effectivement qu'on peut dire que c'est serré. Oui. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Bon. Je pense que là, on peut dire effectivement sans trop s'avancer. Effectivement, ouais, Team Vitality qui est en 3-8-6 défaites. Et les Fnatic, j'allais dire. Les Schalke 04 qui ont pareil, exactement 3-8-6. Donc ils sont tous les deux à 17 points. Ils sont 7e. Ils vont se battre du coup pour la 7e place. Ce BO en fait qui va être assez décisif. S'il y a égalité entre les Vitality, on pourrait voir des potentiels de tie break à venir éventuellement. Donc ça pourrait être un petit peu intéressant. Une journée qui pourrait continuer un petit peu plus tard avec des tie break. Il y a une tripotée scénario. J'avoue que je ne les ai pas forcément tous en tête. Après, on peut aussi avoir une victoire peut-être de Vitality ou de Schalke qui pourrait mettre un petit peu un terme à toutes ces questions. De toute façon, là, c'est quoi? C'est G2 contre Splice, ça va être bataille pour les premiers. Fnatic Giants, H2K Unicorn, ça va être bataille pour les playoffs. Team Vitality contre UOL, c'est bataille pour le 7ème. Et les deux derniers, Origin et Rocket, c'est relégation. Ouais. Après, je pense pas que les Origin et les Rocket puissent remonter. Non. A priori, si. Attends, ils en sont non, ils sont. Je pense pas. Je pense en termes de points. Non, je pense pas que les Origin puissent les rejoindre. Je pense pas non plus. Alors voilà, c'est ça. Donc on a des tie breaks potentiels. Du coup, on va vous faire un petit peu tous les scénarios possibles. Je les ai à nouveau sous les yeux. Donc si H2K l'emporte et que Fnatic perd son BO2, on aura probablement, enfin potentiellement un tiebreaker. Si Vitality et Schalke 04, donc le match qu'on va voir juste là, est un draw, il y aura tiebreaker entre les deux équipes qui sont parfaitement à égalité. Si Schalke 04 perd, mais que Origin win, il y aura aussi un tiebreaker avec Origin du coup. Et si Schalke 04 et Vitality fait un draw, on a forcément les tiebreakers du coup. Il y a beaucoup beaucoup de scénarios possibles. Tout est possible encore, hein. Alors ensuite, si le Schalke 04 lose et Origin win, il y a un tiebreaker après H2K contre OG. Ouais, ce sera OG contre Vitality du coup. Non, si c'est ça, ce sera OG contre Schalke 04, pardon. Ce serait Schalke 04 contre Origin potentiellement le tiebreak à venir dans ce cas-là. Après, est-ce que les Schalke 04 vont perdre contre Vitality? Honnêtement, les deux équipes ont un niveau de jeu qui est très très serré. Vraiment en termes de statistiques, c'est très très proche, assez difficile de séparer une équipe de l'autre. Je pense que les Schalke ont quand même
un peu plus de puissance sur le mid-game, en fait sur la transition mid-game, sur la macro. De manière générale, ils vont un peu plus chercher des objectifs, notamment la prise de tour, qui est quand même l'élément majeur de League of Legends. Pour gagner, il faut détruire la base adverse, pour détruire la base adverse, il faut prendre leur tour. Alors que du côté des Vitality, on est un petit peu plus agressif sur l'early game, notamment ils mettent bien plus de First Blood, les Vitality. Donc vraiment, on va chercher de l'agression tôt dans la partie. Mais on a moins tendance à prendre les tours, et en fait je trouve que souvent les Vitality ont un problème sur la macro, transition mid-game, late-game, où vraiment on commence un petit peu à perdre pied. Ouais, c'est ce que j'allais dire effectivement, les Vitality ont un petit peu de mal effectivement dans cette transition là, mais surtout en termes de synergie, en termes de décision de making, ils sont quand même pas très tranchants dans leurs décisions. Ouais. Alors je trouve au contraire les Shackle Nullfear, bizarrement, une meilleure synergie entre eux. Donc, ils ont très très bien commencé le split, évidemment, comme vous le savez. Et après, ils ont eu des petites rechutes. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait impressionné, finalement, c'était la synergie entre les joueurs que je trouvais relativement bonne. En tout cas, pour une équipe de bas de tableau, je la trouvais relativement bonne. Donc, je mettrais quand même un petit avantage, moi, du côté des Schalke. Uniquement, en fait, pour leur maîtrise de la map. Après, les Vitality ont évidemment une grosse force. Et leur skill individuel, même si maintenant je mets quelques doutes sur Cabochard. Même Cabochard en fait maintenant me fait douter. Ouais, c'est vrai que les joueurs, c'est quand même des joueurs qu'on a quand même pas mal hype, parce que voilà, donc Nuke Duck, Cabochard, Shook aussi dans la jungle, donc on a quand même des grosses puissances individuelles. Mais là, au fur et à mesure du split, on sent que les joueurs sont peut-être un petit peu déçus peut-être de la performance de l'équipe. Qui performe pas forcément aussi bien qu'ils avaient pu le faire sur le split précédent. Mais par contre, Shook a dit qu'en scrim, justement, il s'était balèze. Ah, mais après, il y a tellement de choses qui se passent en scrim. Nukedup, il paraît que c'est un génie en scrim. Il paraît qu'il est imbattable, que tout le monde le déboîte. Enfin, qu'il déboîte tout le monde plutôt. Et j'avoue que j'ai assez peu vu Nukedup faire ce genre de move pendant la compétition. Du coup, est-ce que les joueurs Vitality sont au sujet à la pression? Est-ce qu'on nous ment sur les scrims? On ne sait pas, hein. Tout est possible, on ne sait pas, quelque part. Nous mènerons l'enquête pour vous. Effectivement, mon tech-tech, oui. Partir en sneaky-sneaky à la maison Vitality. Je demanderai à mes petits oiseaux. Ouais. Et oui, c'est l'ami des bêtes. Ah bah. Si je fais comme ça, piou piou piou, il y a un oiseau qui vient, comme ça il me raconte sa vie, après je le renvoie et j'ai toutes les informations. C'est pas comme ça que ça marche? Si, si. Bah oui, regarde, t'as bien vu Blanche-Neige. Ouais. Bah voilà, moi c'est pareil. Ok, on va voir ça. Mais c'est vrai que je suis étonné de la part de Vitality. Après, bon, c'est vrai qu'il y a toujours un gros décalage entre les games en scène et justement. C'est très gênant par contre ce qui se passe dans la régie. Régie, si tu pouvais te taire gentiment. Et donc, du coup, c'est une blague de qui ça? Moi j'aime bien, moi ça m'a plu. Ça m'a plu. Il y aura bataille. Il y aura vengeance. On ne vous dira pas ce qui nous a été dit à la régie. Ce n'est pas très flatteur. Alors qu'on se démène, nous, ici. Il hein y en a qui battent. Il y en a qui bossent, là. Hein. Alors. Et donc, du coup, donc les Shackle contre les Vitality. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut attendre, en fait, dans cette game. Parce que. Normalement, ils devraient avoir un niveau un petit peu similaire. Mais c'est vrai que les Vitality sont tellement peu en forme, alors qu'au contraire, les Schalke ont gagné, je crois, hier 1-1. Enfin, ils ont fait égalité contre les Giants. Ils font un grand split. Ils arrivent à faire un bon comeback. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont joué, les Schalke, sur leur game gagnante? C'est vrai que Genius avait été forcé à jouer le Rengar qui n'avait pas du tout fonctionné. Ouais, on avait une stratégie intéressante de ban du côté des Giants. En fait, on ban énormément de junglers. Du coup, ça force Genius à partir sur les picks sur lesquels il est moins à l'aise. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Sur la game précédente, il avait quand même réussi à trouver le Lee Sin qui avait fait une grosse différence. Ah, voilà, c'était le Lee Sin, effectivement. En fait, il avait réussi à un moment, il fait le move, il met avec Q-Spell sur le Trundle, derrière, il flash kick sur le Kog'Maw pour le ramener dans cette équipe. Et à partir de là, en fait, les Schalke arrivent à snowball. Donc il faut se méfier. Je pense effectivement que les Schalke ont plus de chances, en fait, d'être incisifs vraiment dans la partie, d'avoir le move qui peut créer la différence et pour aller chercher les Vitality. Donc c'est vrai que je mettrais plutôt ma pièce sur les Schalke. Après, 1-1-1 est complètement possible aussi. Bref, c'est malin de la part des Schalke, justement, d'avoir pris un Lee Sin pour arriver à chercher un Kog'Maw. On retrouve d'ailleurs des Kog'Maw un petit peu, ça a pop du côté des Origins. Là, apparemment, ça a pop du côté des Giants. Enfin, les équipes espagnoles, en tout cas, ont l'air d'être fans de ce champion-là. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que le pick Lee Sin était surprenant et permet d'aller chercher quand même un champion de la backlane si évidemment tu ne passes pas derrière sur la lane phase. Donc, bien joué de la part des Schalke.
Qu'est-ce qu'on pourrait attendre au niveau des top laners? Est-ce que je peux regarder vite fait les match-up? Donc du coup, il y a Cabochard évidemment contre notre ami Steve. Les deux Français, d'ailleurs, deux Français qui s'affrontent. Oui. Je crois que d'ailleurs, attends, ils ont joué les deux autant de champions. Non, attends, je vais juste changer Summer ici. Je suis curieux de voir, je crois que Cabochard quand même joue un peu plus de Juggernaut que Steve, avec une Irelia Gnar dans les deux premiers et Mao. Et du côté de Steve, on a Gnar, Trundle et Shane. En fait, ouais, Steve bon, joue beaucoup, beaucoup moins d'Irelia, en fait, il joue beaucoup plus de gros tanks. Et je trouve que ça le réussit plutôt bien au final au Shark, d'avoir vraiment une grosse frontline assurée entre les mains de Steve, qui est capable de faire des gros moves. Alors qu'on voit la dernière game de Vitality contre les Gamers 2. Ouais, mais là on voit l'égalisation d'ailleurs sur le dernier fight. C'était beau par contre là, du coup. Cabochard qui arrive à faire un bon flanking. Hein. C'était un très très beau travail de la part de ces Vitality qui ont surpris, je pense, quand même. Prendre une game au Gamers 2, on les attendait pas vraiment à ce niveau-là. Ça peut aussi les mettre en confiance, hein, éventuellement, les bons Vitality, d'aller justement chercher comme ça une grosse victoire, enfin une grosse égalité contre une équipe de vraiment haut de tableau européenne. Je pense que les deux équipes sont... Je voyais les Vitality un petit peu en perte de puissance, ça fait quelques splits, enfin quelques semaines qu'ils ont du mal à faire la différence, mais là, avec ce dernier match remporté, enfin égalité avec les Gamers 2, peut-être qu'en termes de confiance en soi, on peut revenir et du coup ça peut donner un momentum positif à l'équipe pour essayer d'aller chercher la victoire contre les Shark. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'ils ont fait une bien meilleure draft sur la game 2 que la game 1. La game 1, ils sont passés complètement à côté, ils ont très mal joué leur stratégie. Et ouais, effectivement, c'est un gros problème de la part des Vitality, c'est qu'ils ont du mal justement à se connaître, j'ai envie de dire, et à prendre justement des champions adaptés avec leur playstyle. Et en général, justement, ils se font facilement dépasser par l'équipe adverse. On l'a bien vu d'ailleurs hier du côté des... contre les Gamers 2, où ils ont fait une draft vraiment très très étrange avec NuckDuck justement au niveau de Karma sur la mid lane qui n'a pas du tout fonctionné, Olaf dans la jungle, Fiora sur la top lane, un pick split push parce que dans tous les cas dans la configuration de leur draft il n'y avait pas le choix, il devait absolument split push, il n'a pas du tout réussi à le mettre en place Cabochard. Ils ont réussi avec Shook à tuer le Shen une fois, mais après il n'a jamais pu le prendre en 1v1 Cabochard malgré ses 4-2 je crois à la sortie de la lane phase, donc quand même un score assez solide. Mais ça n'a pas fait la différence. Et game 2 par contre, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus de CC, beaucoup plus d'escarmouches. Et là ça a été payant, un Cabochard aussi en folie qui a pu récupérer pas mal de kills. C'était plus cohérent je pense du côté de Vitality d'avoir une composition avec énormément de catch. En fait tu as un gros speed pusher et derrière le reste de ton équipe a une composition de catch. Du coup en fait tu peux réduire l'avantage en nombre en fait de l'adversaire si t'arrives à attraper un joueur. C'est vrai que ça a fait une grosse différence les Gamers 2, bon, on l'a vu sur le teamfight là, qui arrivait parfois en fait, à se faire flank. Et c'est vrai que c'était bien plus intéressant, alors que avoir un Olaf Karma avec un gros speed pusher et une hache, je trouve qu'il y a un peu moins de synergie entre les picks. On a parfois comme ça des coachs qui font des décisions un peu étranges dans les drafts. On l'a vu notamment hier avec les CLG qui alors ils ont elle a gagné la draft mais je la comprends toujours pas. C'était à base de Vel'Koz, Ezreal, enfin ça partait un petit peu dans tous les sens. Ça a fonctionné pour eux mais de plus en plus, on sent que les coachs ont envie de tenter des choses au niveau des drafts. Après, c'est la fin de saison, donc peut-être que c'est un petit peu le moment ou jamais aussi de tenter ce genre de choses. Oui, clairement, bon. Après, s'il y a des games à sécuriser, il faut quand même essayer d'assurer. Notamment du côté des Vitality, je pense que là, d'arriver à remporter une petite victoire, 1-2-0. Là, on veut assurer hein, du côté des Vitality pour justement pas partir en tie-break entre ces Vitality et TESAL 0-4, se dire qu'on pourrait avoir un joueur. C'est vrai que là, s'ils gagnent, s'ils sécurisent la position de 7ème, ils sont en neutre. Ils sont tranquilles, ils sont en neutre. Ouais, c'est ça. Et ils sont en vacances. Mon cher Tech-Tech. Effectivement. Alors que du côté si l'équipe qui perd ce BO là, ou qui perdrait le potentiel tiebreaker se retrouverait en fait en relégation et pourrait jouer les up and down. Et ils ne seraient pas en vacances, mon cher. Ils ne seraient pas en vacances. Et oui. C'est vrai que là, c'est un peu. Tu te bats pour avoir ton RTT plutôt. C'est un petit peu ça. Tu vois, la game du RTT. Est-ce qu'il va tomber avant ou après? Qui va le recevoir? Et on va rentrer dans cette draft. On verra ça à la fin de ce BO2 entre les Schalke, et contre les Vitality. Et alors, Kassadin d'Irelia de Ban, justement, on en parlait, hein, de ce pick Irelia du côté de Cabochard. Il a pris quand même 8 fois cette saison. C'est son champion le plus joué actuellement. Il a décidé d'être enlevé. Enfin, les Schalke ont décidé de l'enlever. Akabo, Nidavellis du côté des Vitality, on va target ban Jilius. Bon, on le connaît, la technique contre les Schalke, nous le fier, c'est vraiment ça. Tu target les junglers pour essayer de lui réduire au maximum sa capacité de pick. Après, ils ont l'avantage des Schalke d'être en blue side, du coup, on pourra quand même récupérer le Gragas ou la Rek'Sai potentiellement d'assurer. Quoique, on va se ban son propre Gragas du côté des Schalke.
Il va rester que la Rek'Sai pour le bon Julius. Je suis un peu moins fan de sa Rek'Sai, elle est pas du tout pertinente. Et en tout cas, au niveau des coachs, il y en a un qui a un cahier noir très viril et l'autre qui a un cahier avec des petites fleurs roses. Est-ce que ton cœur balance envers le noir ou les petites fleurs roses? Bah là, je pense que Nif, son petit cahier avec les petites fleurs roses. Il marque des points. Je pense qu'il marque des points. Il marque des points. Dernier ban pour Vitality serait le Time Catch. Ce serait pas mal d'ailleurs qu'il parte sur des champions roses aussi. Eh, on pourrait. Ça irait même avec sa cravate. Composition rose. Quand tu fais une draft qui va avec le costume que tu portes. Est-ce que tu crois qu'ils ont passé trop de temps avec les Unicorn of Love? Peut-être. C'est vrai que c'est le next level quand même, t'imagines? Ah ouais. Tu mets une cravate jaune, tac, draft avec que des champions jaunes. Ça existe pas, mais peut-être. C'est-à-dire tu donnes des indices quand même assez forts à l'équipe adverse. Ouais, parce que s'ils n'arrivent pas à repérer ce petit détail. Ah, c'est vrai. Ça va être intéressant. Eh ouais. Hey, intéressant du coup la composition. Bon, du côté de Schalke, nous le firons, on va sécuriser le Malzahar, peut-être un des picks les plus efficaces de l'Occident jusqu'à présent. Vraiment sur ce Summer Split, il a été incroyablement puissant Malzahar. Un pick qui peut être assez facilement game breaker en fait, avec une pointe du néant bien positionnée sur quelqu'un, ça permet de pick up et de catch un kill efficacement. Ouais, Karim sur Chou, Cabochard sur le Trundle, Vitality qui va repartir du coup sur une draft à base des Karim. C'est pas vrai. Ça marche bien, Chou qui l'aime bien en plus, je pense le champion quand même. Non mais là la draft déjà est toujours solide, quand il commence par Trundle et Karim en général, c'est plutôt bien. Il avait pas tant joué avec Karim que ça le Chouk, j'avais d'autres souvenirs de ça. Et c'est vrai que la seule fois qu'il a joué, il a pas eu énormément de réussite. Mais là, Trundle, c'est vrai que c'est plutôt pas mal en fait dans la méta actuelle, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de champions statiques, ou au contraire, beaucoup de champions qui vont jouer sur la mobilité. Donc, justement, avoir un pilar et cancel un petit peu l'avancée des adversaires est quand même toujours très très bien. Avoir un pouvoir de kiting est énorme. Et c'est vrai que c'est ce qu'apporte un Trundle. D'ailleurs, regardez du côté de Schalke, on va partir directement sur un carry AD avec un dash. Pour justement ne pas être sensible à un pilar bien placé de la part de Kassing probablement. Et une agression du Ekarim aussi. C'est vrai que les Ekari statiques sont très très sensibles à l'agression d'un Ekarim. C'est très très bien ça. Ash Trundle c'est excellent. Pour le pick-up d'une part, pour arriver à disengage. On sent là ils ont envie d'aller agresser les Vitality, ouais, ça va être vraiment sur de l'engage. Avec un speed push qui est quand même solide hein, parce que Trundle c'est peut-être l'un des meilleurs speed pushers actuellement. Peut-être dépassé par Fiora s'il est bien dans sa game. Mais c'est à mon avis le seul champion qui peut aller chercher un Trundle vraiment efficacement. Ouh. Sur le speed push, Nukeduck qui partirait sur son TF. Ça lui avait réussi contre les Gamers 2 sur TF, donc pourquoi pas continuer sur ce pick. Avec une hache, c'est très très fort, ça permet de mettre. Tu link en fait la destinée avec la flèche de cristal. Et du coup, tu permets de pick up des kills à très très long range. Ça peut être intéressant vu contre la composition des Schalke Nullfear. Qui va devoir en fait jouer du coup de manière très compacte pour éviter de se faire attraper. Et ça va être pris du coup pour Nukeduck. Le Twisted Fate qui avait si bien fonctionné sur la game précédente. Là on a énormément de go-in pour les Vitality. Je préfère le pick Trundle d'ailleurs à la Fiora dans cette composition en particulier des Vitality. Ça ajoute un peu plus de front lane. Et je pense que ça marche beaucoup mieux pour aider une Ashe notamment à Kite avec les slows qui se cumulent. Ça permet vraiment de DPS énormément pour Police. La réponse est Schalke Nullfear, Julius qui devrait partir sur son Lee Sin. Est-ce qu'il va retenter le Rengar? Ah, c'est compliqué. Honnêtement, Rengar, vu la composition de Vitality, c'est très très difficile à mettre en place. Je pense qu'il vaut mieux partir sur Lee Sin et réussir peut-être à pick up la hache. Même s'il y a quand même beaucoup de contrôle à proposer du côté de Vitality pour empêcher une éventuelle Insec. Ça hésite pas mal du côté des Schalke. Je pense pas que ça peut être Trundle top justement du côté de Vitality. En tout cas, Lee Sin Shen du côté de Schalke, ça a été lock. Et en tout cas, c'est assez, une nouvelle fois, un peu risqué, hein, les picks TF du côté de Vitality. Puisque c'est un champion qui met beaucoup de temps à arriver à wave clear. Donc en général, il se fait dépasser par tous les champions actuels sur la mid lane dans les premiers niveaux. Et après, bah, il faut arriver à trouver des escarmouches, il faut arriver à trouver des gants, il faut arriver à créer des opportunités aussi. On va voir s'ils vont réussir à le faire, les Vitality. Après, ils s'en sortent bien avec le pick. Je pense qu'ils l'utilisent très très bien pour l'instant. Oui, je pense ils l'ont joué deux fois, ils ont gagné tout le temps à chaque fois. Ouais. Nukeduck fait une bonne performance dessus, donc ça peut quand même être une bonne force pour les Vitality. Du côté des Schalke, il va falloir trouver une bonne solution pour aller lutter contre le TF. Je pense que le Schalke est une bonne opportunité. Ça permet aussi de compenser la présence globale, en fait, tout simplement du TF avec le Sand United. Trundle top, Trundle support. On a l'air de se diriger vers un Nalistar du côté de Kassing, peut-être. 4 secondes. Il hésite. Je pense effectivement, ça va être un Alistar du coup. Du côté de la duo lane des Vitality.
Alistar H contre Lucian Karma. Trundle sur la top lane contre un Shen. Et Karim contre Lee Sin. Et Malzahar contre TF. Pas de. Donc, alors un TF d'ailleurs qui peut se faire attraper facilement par contre par un Malzahar qui va prendre beaucoup de pression par Malzahar. Je pense qu'on a des lanes un petit peu tricky quand même du côté des VIT. Les Shulk ont quand même des laners très solides. Malzahar, Lucian, Karma, c'est excessivement fort. Ça va vraiment mettre beaucoup de pression sur les laners Vitality tout dans la partie. On a en plus un Lee Sin qui peut apporter énormément en early game. Là où un Karim a besoin de farm en fait, et excessivement. Enfin, il a besoin vraiment de récupérer beaucoup de ressources avant de pouvoir être efficace. Le seul petit avantage pour la Vitality sur la phase de lane pure et dure, c'est le Trundle qui devrait quand même bien dominer face au Shen. A priori. Ouais, Trundle, oui, il devrait pas trop avoir de problème. Bah après, bon, Shen dans tous les cas. Shen, c'est un champion qui peut pas tuer facilement sur la lane phase, mais qui peut pas le faire tuer non plus. Ce qui est plutôt pratique. Donc ça devrait aller du côté des top laners. Ça devrait plus se jouer au niveau de la jungle pour la différence. Alicine quand même qui fait beaucoup de dégâts en early game. Attention au Karim qui est assez sensible justement à un champion agressif. On pourra voir justement si Gilius arrive à jouer son pick de manière agressive, sachant que il aura du backup. Peut-être pas au niveau de la top lane, puisque ça va être assez even entre Shen et Trundle. Et Trundle, exactement. Mais par contre, au niveau de la mid lane, il pourra avoir du backup de Malzahar assez rapidement, si jamais il part en invade dans les premiers niveaux. Tout simplement parce qu'un Malzahar, évidemment, push très rapidement comparé à un TF dans les premiers niveaux. Je pense qu'il va être en difficulté le tout cette fête, effectivement, parce qu'il peut soit se faire push, effectivement, être bloqué du coup sous tour, ne pas pouvoir aider à invade. Enfin, si son Ekarim se fait invade, il sera vraiment dans la difficulté. Il peut aussi se faire facilement gank par un Lee Sin. Après, il n'y a pas beaucoup de contrôle avant les niveaux 6 des deux champions. Par contre, en termes de dégâts, on a quand même de quoi aller chercher vraiment à Twisted Fate. Je pense que Nubdog va devoir jouer très safe sur cette early game. Pareil pour la duo lane après tout, parce que Alistar contre une Karma, c'est quand même très difficile d'être efficace sur la lane. Même si Ashe a un gros potentiel de poke avec des volées régulières pour essayer simplement de poke l'adversaire, on a quand même une grosse force de all-in avec Lucian. Je mettrai quand même un léger avantage pour les Shulk sur la phase de laning. Après, du coup, peut-être que les Vitality vont repartir en swap lane éventuellement. Ce serait intéressant. Ouais, peut-être. Peut-être, effectivement, ils pourraient passer là-dessus. Ça permet de réduire l'efficacité de Lee Sin sur leur game parce qu'il sera obligé d'aller push. En fait, il pourra pas forcément se permettre d'aller gank. Ça permet à ce Karim de monter tranquillement en puissance pour former sa jungle sans avoir trop de pression. Le Trundle, qu'il soit deny ou pas, c'est pas très grave. De toute façon, il va être efficace. Ça permet à cette Ashe aussi de pas trop subir l'agression tôt dans la partie de la part de cette Karma notamment. Je pense qu'il y a du sens pour les Vitality d'aller chercher un swap lane. Après, les Shulk qui vont s'y attendre, je pense. Cette early game risque d'être assez décisive pour la première game de ce BO2 entre Shulk, Nullfear et Vitality, les deux équipes qui sont parfaitement à égalité dans ce Summer Split LCS EU. Et du coup, la game qui va se lancer, ce premier BO2 de la journée, tranquillement. Et alors, soit plane ou pas, invade ou pas. Waouh! Et ça y est, c'est parti! Directement avec Julius en pole position. Est-ce qu'il va arriver en premier au niveau de la rivière? Et Karim a fait son stop juste avant. Et Julius, grand victorieux de cette course jusqu'à la rivière. Bien joué! Game 2 du coup. Allez, c'était bien! Félicitations! Et effectivement, ouais, je pense qu'un swap lane serait pas trop mal. Il n'y a pas d'invade en tout cas qui est mis en place de part et d'autre. Il n'y a pas énormément d'atouts. Peut-être un peu plus du côté des Vitality, tout simplement parce qu'on a un TF. Et une pulvérisation de la part de Alistar. Mais voilà, pas d'invade. On va juste essayer de partir en swap. Ouais, on va pas chercher la vision. Je trouve ça assez étonnant, notamment du côté des Shulk en fait, de pas essayer de prendre la vision dans la jungle de ces Vitality pour essayer de voir le déplacement potentiel de cette duo lane. Et non, j'ai pas l'impression. Il n'y aura pas de swap lane du coup. Les joueurs Shulk, Nullfear qui vont attendre la duo lane des Vitality. Et on va respecter les match-ups du coup, on devrait avoir une domination des Shulk en début de partie. Après les Vitality ont un gros mid-game avec le décalage du TF, l'arrivée du Ekarim une fois qu'il sera niveau 6 avec les Jeux des Ombres. Une fois qu'il aura sa trinité aussi surtout, il va pouvoir faire vraiment beaucoup de dégâts. Et première agression directement au niveau de la mid-lane, on arrive à trouver le POC. Knockdeck a pris un peu plus cher quand même. Ouais, les visions maléfiques qui font bien plus mal, surtout que c'est difficile de gérer le passif d'un Malzahar au début. On a vu, il était obligé de mettre une auto-attaque pour le proc, ensuite seulement la Great Card pour mettre des dégâts. Et du coup, bah, ça fait qu'il a pris pas mal d'agression de la part des creeps. C'est Fratal qui commence directement son poke.
Cassie qui pourra rien faire. Tant qu'il est niveau 1, le Alistar il peut absolument rien faire contre une Karma. Et ça va permettre à ces Shulk de mettre une grosse pression. Vraiment tous les buts de partie. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant hein, du côté des Vitality de pas avoir cherché un swap lane. Oh, le bon trade l'a pris par Steve avec un Q-Spell pour avoir les dégâts magiques bonus et l'attaque speed augmentée. Après c'est vrai qu'un Trundle peut arriver à tuer en général ses vis-à-vis, mais bon c'est pas chose facile hein, face à un Shen, surtout que là il a pris pas mal de dégâts, pas mal de poke de la part de son adversaire. Et regardez directement le level qui était récupéré du côté des Chalk. Et ouais, ça commence à être très très dur au niveau de la lane phase pour les Vitality. On va devoir attendre effectivement le level 2 voire même level 3 de la part d'Alistar. Une fois qu'il aura son combo plus son heal, il sera armé pour arriver à tenir face au poke de la part de Karma. Bon, en tout cas il aura un peu plus d'atouts. Ouais. Pendant que Cabochard a un peu du mal à aller à Steve. Là il a pas utilisé la réserve d'auto-attaque que lui apporte son Q-Spell. Et c'est un petit peu dommage. Nekdek qui prend beaucoup de dégâts de la part de Malzahr. On s'y attendait hein, dans tous les cas. C'est pas un match à gagner son avantage. Je vais lever des dégâts justement. Mais bon, le getback est instantané sur Casting. Beaucoup de dégâts positionnés. Bon, après, il y a encore quelques potions Casting. Donc je pense que le trade est quand même plutôt rentable. Si on arrive à forcer une potion sur Ralez, ce serait plutôt bien vu. Mais là, on sent c'est quand même la difficulté pour les Vitality. Ils sont vraiment obligés de sauver commit pour essayer simplement de trade de manière efficace contre des Shulks. Alors qu'on a Jilus qui est bien positionné ici, qui va pouvoir faire le gros et qui pourrait partir rapidement sur la duel lane. C'est pas mal ce que fait Casting, il va se mettre un petit peu. Éventuellement arriver à faire reset plus gros, ce serait pas mal. Et non, finalement ce sera Smite du côté de Jilus. On va pas attendre de combo, perte de la mana du côté de Casting. En tout cas l'information est donnée, on sait où est le Lee Sin. Du coup ça permet à Cabochard notamment d'être très agressif sur cette top lane, de s'avancer énormément. Il sait qu'il va pas se prendre un Lee Sin des familles dans la tête, il sait que Shook aussi est pas très très loin. Shook qui va récupérer ce blue buff, très belle performance de la part de Shook. Attends, regarde le décalage de la part de Jilus. On a quand même le smile du côté de Shulk. Ce serait bien justement de pas trop overextend et partir sur le Gromp. On n'a pas quand même énormément de backup. Ce serait pas greedy. Il y a Cabochard qui est en train de push. Ils sont un peu greedy. Il a l'arrivée de Steve sur Cabochard. On a Shulk qui est pas très loin. C'est vraiment bien ce qu'il fait par contre Steve là-dessus. C'est vraiment très très bien ce que fait Steve. On n'a pas l'information. Du côté des Sharks, on n'a pas l'information sur la présence du. Le flash in pour mettre le saut directement de la part de Jilus, le pilar, est-ce qu'on peut mettre un Q-Spell peut-être? Le saut de flash est très bien fait, le Q-Spell qui va être linké et ce sera le first blood récupéré par Jilus. Bonne intervention de la part du jungler de ces Shulk Nulfir avec Steve qui était déjà en maîtrise de son match-up. Ça peut être un petit peu délicat. Oula, attention Fox, il y a quand même plus beaucoup de mana là. Et ça c'est vraiment une énorme erreur de la part de Cabochard là-dessus. Attention le décalage de la part de Fratel, beaucoup de dégâts positionnés. C'est pas mal le flash de la part de Fratel. Oui, flash in de Ralez, il prend un coup de tour, deux coups de tour, ça va se lever, mais c'est bon, Loki est récupéré. Ah, il a joué la limite quand même Ralez là. Ouais, il a failli mourir. En tout cas c'est vraiment très très mal joué de la part de Cabochard là-dessus au niveau de cette top lane. Tout simplement parce qu'il avait l'information du coup que le Lee Sin était au niveau de ses, des Gromps. Du côté des Gromps adverses. Donc du coup il a fait un décalage tout en haut puisqu'il avait déjà récupéré la jungle au niveau de son red buff. Et en fait justement Shu qui était parti en agression du côté du Gromp adverse savait que le Lee Sin était pas à son niveau. Et donc du coup il pouvait s'attendre qu'à Bochard à un gank au niveau de cette top lane. Sachant que Lee Sin ne pouvait pas intervenir au niveau de cette bot lane puisque Police et Cassing étaient en train de défendre au niveau de leur tour. Au niveau de Nugduck sur la mid lane, il était aussi en train de subir. Regardez sur la minimap, il y a Nugduck qui est en train de subir. Il y a Police et Cassing qui sont en train de subir, donc tu peux être sûr et certain que Jilus va pas faire un gank sur ces lanes là. Donc évidemment il reste que Cabochard au niveau de cette top lane. Pas de ward du côté du top laner des Vitality. Et tu te fais punir directement derrière. C'est dommage. C'est dommage effectivement, notamment que le bon Shu qui était présent n'ait pas eu le réflexe en fait d'aller agresser. Il a pris un gros, ça lui fait perdre quand même pas mal de temps face au Lee Sin. Après il avait pas le choix, il avait du retard lui en termes de farm. Puis il a une retard en XP. Par le pic aussi hein. Parce que c'est vrai que là niveau 4 tu mets un Lee Sin contre un Karim, là je donne pas cher de la peau du Karim sur le 1v1 et même sur le 2v2 hein. C'était très compliqué pour les Vitality. Du coup on va quand même laisser 2 kills tomber sur cette phase de jeu. Noobdog qui s'est fait attraper par la duel lane de ses Vitality qui a pu permettre en fait de push. Derrière ils étaient libres, ils ont pu décaler, revenir sur la mid lane et revenir pour récupérer la vague de farm. Du coup on a une très bonne gestion de lane, on a une vague d'avance tout simplement pour le bon Mister Ralez. Ouais, c'est vrai que c'est très fort là ce que proposent les Schalke au niveau de leur draft puisqu'ils ont que des lanes dominantes. Sauf peut-être en top lane. Puisqu'on voit finalement que Trundle dans les premiers niveaux a quand même un avantage sur Shen, même si finalement Steve fait de très très bons trades sur son vis-à-vis. Je pense que Steve gère très très bien le match-up à mon avis. Hein. Plus que le match-up pur et dur, c'est vraiment le skill du joueur, le Steve qui a l'air particulièrement en forme. On l'a vu sur le photo de flasher
C'était très très chaud, Steve, effectivement. Quel plaisir de voir ce combat entre les deux Français. Oh, l'arrivée de Chouk, ça y est, c'est facile, il est niveau 6 par contre. On pourrait avoir une grosse lésion des jambes sur Steve. Le taunt, peut-être s'il part du côté de Steve, ça peut être mortel. Évidemment, on va pas prendre de risque, hein. Le top laner français de l'équipe allemande est quand même très 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 solide. À chaque fois, il joue très défensif. Il arrive à, au début, il mourait beaucoup. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs sa réputation de Steve. Il a donné évidemment beaucoup de morts. Il a fait, je crois que sa première game, il a commencé à 0-7 ou un truc comme ça. Enfin bref, est-ce que c'est pas la marque des plus grands? Bienvenue au LCS. Bah peut-être. Tu vois, top laner qui donne beaucoup de morts. On se rappelle tous de Darien, évidemment. Le Swaglord. Ouais, Dairus. Dairus aussi, effectivement. Et après, finalement, c'est des joueurs, bon, à part Darien, qui savaient justement jouer contre les jungles et jouer extrêmement safe. Et à chaque fois, ils avaient une très très bonne lecture du jeu adverse. Et c'est vrai qu'on peut lui reconnaître ça. Steve, il a énormément step up. Et sa lecture du jeu au niveau des jungles adverses est excellente. Et c'est quand même maintenant assez rare qu'il se fasse attraper en overextend, par un spell utilisé aléatoirement, etc. etc. C'est à chaque fois très très bien joué de la part de Steve. Et c'est vrai qu'il a énormément step up. Big up à lui. C'est vrai qu'il joue bien, clairement. Là, le top laner de ses Shaq, Nulfir, qui pour l'instant fait une très bonne début de partie en plus. C'est vrai que mettre de la pression sur un Trundle alors qu'on a Shen, c'est pas forcément la chose la plus simple à faire. Jusqu'à son Tiamat, il commence à avoir beaucoup de dégâts le bon Lee Sin qui a récupéré son First Blood. Il va essayer d'aller chercher peut-être le Blue Buff. Non, on va temporiser, il essaie de se remonter un petit peu. Sneaky là, Jidus essaie de provoquer le Hecarim potentiellement. Mais aussi Slavio Sprattle pour l'aider. Est-ce qu'on pourrait avoir le décalage de Malzer qui est bien push en plus? Ce Blue Buff pourrait être récupéré, ce serait intéressant de le prendre sur Fox peut-être. Non, ça va être récupéré par Jidus, pas de décalage du mid laner. Et on va revenir sur la bot lane pour Sprattle. Jidus qui pourrait chercher peut-être le TF. Et alors Chou, qui lance la Légion des Ombres, toujours disponible. Next avec Assa Destiny, mais regardez la pression qu'il prend du côté face à un Malzar, c'est normal. Il n'a pas encore d'AP hein, dans son stuff, il n'a qu'un catalyseur. Un petit Doramstring, c'est pas grand chose, il n'a pas encore de quoi arriver à wave clear, à one shot en tout cas les sbires range facilement. Alors que Malzar, lui avec ses bêtes du néant, bah, il est assez tranquille. Ouais, c'est ça. Malzar, quand tu mets 3 spells et quel que soit le... J'ai envie de dire, quel que soit le niveau du spell, t'arrives à détruire la vague au fur et à mesure. Parce que les êtres du néant restent quand même assez longtemps. Ils peuvent push de manière très très régulière. On va donner justement ce blue buff à Fox. Ça va être bien pour ce Malzar de pouvoir avoir encore plus de régé de mana, plus de CDR pour pouvoir encore plus spam contre le pauvre Noob Duck qui pour l'instant n'a pas encore trouvé l'occasion de TP. Non. Avec sa destinée, il a qu'une finition séculaire par contre, c'est un très bon timing. Séculaire à 9 minutes de jeu. C'est pas mal. C'est pas mal. Il va pouvoir justement commencer à stacker le bâton, à récupérer un petit peu d'AP par minute, à chaque minute qui passe. Et une fois qu'il aura du coup son full stack, il devrait arriver à wave clear plus facilement, à tenir le Malzar et commencer à mettre en place son roaming. Ça va prendre du temps, hein. Regardez la puissance quand même de Malzar. Ça récupère des camps de jungle très très facilement, sans problème, sans perdre d'HP. Et directement, il enchaîne avec la creep wave. Les bêtes du néant directement qui pop, qui vont tanker les creeps. Du coup, on prend pas de dégâts de la part d'un Malzar. Ouais, et regardez comme c'est gênant pour Nuke Duck. Il a réussi à push, il a envie de se faire ce décalage justement pour aller aider sa duo lane. Et il peut pas parce que ce Malzar met beaucoup trop de pression. Attention, par contre, la queue ligne, beaucoup de dégâts positionnés sur Castille qui va se faire root. Il peut mourir. Oh, la volonté de faire. Pas commit de la part de Ralez. La fiche de Daro qui est arrivée. Y'a pas de follow-up, c'était juste pour aider son support au cas où. Ouais, c'était bien vu de la part des Shaq Nulfia de ne pas aller chercher le Alistar trop profondément sous la tour, parce qu'avec le contrôle offert par un Alistar et une hache, ça aurait pu vite se retourner contre eux. Ils ont été bonne présence d'esprit de leur part. En tout cas, on a fait le choix de la passivité hein, quand même du côté de Nugduck. Bon, même si le stuff séculaire maintenant commence à être une grosse tendance du côté des TF, c'est vrai que bon, ça apporte pas énormément de dégâts. T'es un peu plus tanky, mais ça apporte pas énormément de dégâts. Ouais, c'est la meilleure pool de mana. En fait, ça permet de passer plus facilement, on va dire, le laning phase. Ça. Mais du coup, il faut se relier quand même pas mal sur son équipe pour arriver justement à tenir. Tu fais beaucoup moins mal. Ouais, tu fais vraiment beaucoup moins mal qu'avec un Rush Lich Bane par exemple. Jusqu'à avoir ces 3 items. Faut être patient du côté de Vitality. Aussi, hein. C'est vrai que Luden à une époque c'était tellement plébiscité sur les TF avec le bonus de move speed. Et ça se voit de moins en moins étonnamment. Mais on a plus envie de jouer avec 1000 HP en fait. C'est quand même beaucoup trop risqué. C'est vrai que ça me fait évidemment comprend l'intérêt hein, de partir directement sur des dégâts, surtout avec un TF. Comme on a dit qu'il y a beaucoup de mal à wave clear. Et attention le décalage de la part de Jilus et de Sprattle. Sachant qu'on n'a pas du tout de ward mis en place du côté Vitality. On a quand même mis l'information sur les deux joueurs. On va récupérer le héros de la faille, Chou qui a pris pas mal de dégâts.
Cabochard qui va remporter du coup ce Hero de la Faille pour l'aider un petit peu à tenir son match-up d'une part, à avancer sur les tours d'autre part. La pression qui a été mise au niveau de cette mid lane de la part des Schalke, et c'est vrai qu'on a du mal à suivre le déplacement du côté des Vitality de l'équipe allemande. Elle est quand même extrêmement agressive. Ouais, là on voit Julius qui est partout sur la carte. Ouais, c'est peut-être d'aller attraper Cassie. Oh, attention par contre à l'overextend de la part de Spratel. On a vu le combo sur Cassie, il va quand même se faire route. Est-ce qu'on peut voir Chou qui est un petit peu loin malheureusement, donc je pense qu'il n'y aura pas de follow-up là-dessus, à moins qu'il est destiné peut-être. Pendant qu'on a un petit bug. Petit problème technique. Est-ce qu'on a l'idée de ce qui peut se passer? On va revenir sur le juste le temps que ça revienne, ne vous inquiétez pas. Ouais. Bon, du côté pour l'instant les Schalke Nullfear qui nous font pas mentir. On l'avait dit, ils allaient être agressifs sur l'early game, sur toute la phase de laning en fait, puisqu'ils avaient quand même des lanes dominantes. Ouais. Pour l'instant, ils le font bien savoir. Jilus, notamment avec son Lee Sin qui est partout, qui gêne énormément ce Ekarim. Après, il n'a pas forcément réussi à faire un counter jungle, on va dire, qui va vraiment saper les golds récupérés par ce Ekarim. Donc Shook continue quand même à monter en puissance, quoi qu'il arrive. Il a réussi à atteindre son niveau 6 assez rapidement. Là, il va se diriger vers sa Trinité. Donc il va être efficace quoi qu'il arrive ce Ekarim. On n'a pas encore eu complètement la possibilité de le deny complètement. Oui, non mais clairement dans tous les cas c'est pas forcément le but aussi de la part des Schalke d'arriver à deny Ekarim. Surtout en fait d'arriver à avancer ensemble, ouais, de concert. Et ça c'est ce qu'ils arrivent très bien à faire. Lee Sin est quand même assez solide. Du coup ça lui permet de partir, il est parti sur un Tiamat en first item avant même de finir son item jungle. Ce qui permet justement de lui apporter énormément de wave clear et du coup de partir directement en invade avec son support éventuellement. Et après comme il a une lane mid lane dominante avec Malzahar contre TF. Hein, clean feed down, mais apparemment, enfin problème technique, et okay, le stream 1 aussi, un donc officiel, c'est ça le stream 1 officiel. Donc le stream 1 officiel, le okay. Stream 2 officiel est aussi down, donc voilà qu'un gros problème technique apparemment du côté des Riot, ouais, probablement. On va voir si ça va être résolu. Et donc oui, du coup, pour finir rapidement l'explication, en fait, c'est qu'on a pris des lanes dominantes partout. Même au niveau de la bot lane, on a quand même une Karma et un Lucian. Donc deux personnages aussi qui pushent très très rapidement, surtout face à Ashe et Alistar. Alistar, elle a quand même pas beaucoup d'atouts hein, pour aider son carry AD. Midlaner, Malzahar push plus rapidement que le TF. Top lane, c'est un peu even, même si finalement ce first blood, enfin ce kill qui a été récupéré du côté de Lee Sin a offert beaucoup de bien à Shen, pardon. Donc du coup, en fait, du côté des Schalke, on a que des lanes dominantes avec en plus un jungle dominant, donc évidemment bah, on avance et on a bien vu hein, la tour qui s'est fait gratter bah, c'est notamment dû à la domination des lanes, au décalage de la part de la duo lane des Schalke, etc., etc. Donc c'est vrai que côté Vitality bah, on a pris des champions qui sont assez passifs. Il faudra arriver à trouver une solution au bout d'un moment. Ouais, du côté des Vitality, je pense qu'on va vraiment essayer de partir sur un scaling un peu plus orienté sur le mid-game. Peut-être commencer à accélérer autour des 20 minutes de jeu, le moment où notamment le séculaire qui sera full stack pour le TF, parce qu'il la rush quand même très très tôt. Donc 20 minutes de jeu, on aura un gros timing. En plus, en 10 minutes, il aura eu le temps quand même de récupérer peut-être la Lich Bane éventuellement, enfin un autre item d'AP en tout cas pour ce Twisted Fate qui sera très puissant. On aura la Trinité complétée sur le Ekarim, donc on aura qu'une grosse force de push. On a la main du héros qui a été récupérée sur le Trundle, donc en termes de 1v1, il va quand même pouvoir aller chercher un petit peu plus facilement Steve, prendre moins de dégâts de la part de ce Shen, mettre plus de pression. Donc ça va peut-être un petit peu donner de l'air à cette Vitality, qui pour l'instant, effectivement, ils font un petit peu le dos rond, ils attendent que la phase de lane passe, il faut juste pas être trop en retard en fait à la fin de cette phase de lane. Et d'ailleurs, je pense qu'ils pourront remettre un petit coup d'accélérateur. Ok, très bien, donc on va pouvoir repartir sur le clean field, enfin du coup on va être sans son pour l'instant le temps que le clean field soit bien réparé, mais on va pouvoir suivre du coup cette agression. Attention, Nuke 2 qui se fait prendre une poigne, beaucoup de contrôle positionné, Nuke 2 qui prend beaucoup de dégâts, et le Fox qui va récupérer le kill. L'agression est bonne là de la part de Steve. Attendez, quand même, les Vitality ont réussi à récupérer un double kill du côté de Nuke 2 avec une assise, deux assises de la part de Police, donc apparemment il a dû avoir un fight au niveau de la mid lane et sur le support des Schalke. Je pense que c'est l'agression qu'on avait commencé à voir de la part de Cassing, parce qu'on avait le TF qui était pas très loin, ils ont dû réussir à prendre les deux kills là. Regarde au niveau des tours, hein. Là ça commence à dominer complètement du côté des Vitality, 3 tours à 0 côté Schalke, côté Schalke, 3 tours à 0. Et évidemment, une draft qui est pour le moment bien supérieure. Et attention au catch hein, du côté de NuckDuck. Il a eu l'information sur Steve. L'arrivée de Fox avec Ghost. On en follow-up directement le Taunt. Et après, bon, c'est un kill extrêmement facile à récupérer.
Je trouve ça assez étonnant d'ailleurs que les Malzers ne prennent pas la peine de mettre au moins peut-être les visions dévorantes ou au moins un Z avant de mettre la poigne du néant pour essayer de démultiplier la puissance. On va repartir sur le cliffy du coup avec le son du jeu qui est finalement revenu. Vous pouvez admirer nos visages incroyables, le temps de repasser là-dessus. Mais du coup, on l'a vu, du coup, le bon catch sur Nuke Duck qui essaie de faire le décalage sur cette top lane, mais ça ne passera pas malheureusement. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour les Shulk, comme tu disais, 3 tours à 0. On commence à prendre quand même 3000 gold d'avance. Ouais. Ça commence à faire une bonne différence quand même. Et les Vitality ont intérêt à commencer à défendre un peu plus efficacement pour vraiment réussir à faire une différence, à ne pas se faire complètement détruire. Ah, finalement, on n'aura pas le son du jeu en fait, puisqu'il y a des problèmes sur le clean field officiel. Il semble débile à toujours commenter les replays. C'est toujours gentil, mais en fait, ce move là, on l'avait pas vu juste avant. On n'avait pas vu l'ensemble du move. Donc je commentais pas en fait, j'expliquais juste ce qui s'était passé avec l'arrivée de Shen, ce qui a forcé Nuke Duck à reculer. Donc pas de jugement hâtif, mes chers amis, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas des clowns sur qui on peut envoyer des tartes gratuitement. Ou sinon vous payez très cher. Et alors du coup, Gilly, sur le moment, on va essayer de quand d'embêter un petit peu Casting, prendre la vision. Pour le moment, les Schalke qui sont vraiment en très très bonne position hein, au niveau de la domination de la map. On voit, hein, même s'ils ont pu récupérer la tour au niveau de cette bot lane, les Vitality, ils n'arrivent pas à avancer plus que ça. Et à mon avis, Nuke Duck va aussi avoir du mal à décaler, hein, à commencer à mettre en place son roaming. Et regarde en plus l'optimisation sur laquelle il est en train de partir avec un Zhonya en deuxième item. Ça, c'est vraiment étonnant de la part du mid laner des Vitality. Bon, je ne sais pas trop quoi il a peur avec son Zhonya puisqu'il ne joue pas contre un Z, c'est contre un Malzahar. Et attention, ouais, je sais pas, de pour être de l'agression éventuellement. Attention par contre, Kavoshar qui prend pas le dégât ici, la soumission qui ne suffira pas. Avec la poigne du nez en plus, on va tomber. C'est Steve qui récupère la kill, on va peut-être plus le laisser à Fox pour qu'il puisse continuer à snowball éventuellement dans son match-up. Mais bon, bonne agression à nouveau de la part des Shulk sur les Vitality. On va récupérer un pick-up. Ouais, on n'a plus qu'à 2 gold d'avance là, je sais pas où sont partis le petit K de différence. C'est peut-être aussi du côté du Trundle qu'on est bien remonté en termes de farming. On a une Tristana Desk complétée. Donc là, on commence à bien push contre le Shen. C'est vrai que Steve va commencer à avoir un peu plus de difficultés à tenir le speed push. En tout cas, face au Skabochar. Ouais, mais du coup, comme son midlaner lui donne pas mal d'aide, pareil, il a de l'aide du côté de son jungle. Il va avoir du mal, Skabochar, quand même, à faire des all-in hein, sur le Shen. Il y aura toujours du backup présent de la part des Schalke. Quoique après il y a un mouvement de foule qui est organisé par du côté des Vitality avec peut-être une charge de la part de Hekarim. Non, on n'arrivera pas à trouver de follow-up là-dessus. Alors regarde, plaque du mort du côté de Steve en deuxième item. Ils veulent agresser vraiment Steve. En fait, je pense qu'ils veulent vraiment appuyer sur des teamfights. Ils le savent que les Vitality vont essayer d'agresser très tôt dans la partie autour des 20-25 minutes de jeu. On a commencé directement là du côté de Vitality. En plus, ça va partir sur ce dragon des montagnes, est-ce qu'on peut avoir la défense? Peut-être des Shulk nous le fear. Attention, le dragon qui descend vite, l'arrivée de Gilius avec le TP du Shen. Le Q-Spa qui ne passera malheureusement pas, le go-in directement. Non, ça ne suffira pas si Nuke Duck va se faire taunt. Ah non. Nuke Duck, les dégâts, c'est pas mal fait là. Du coup, pour l'instant, une exo sur Chou pour essayer d'attraper. Quelqu'un, les dégâts sont bons. Double kill par Fox. Kavosher qui va flash out, suivi de la Légion des Ombres. Nashor. La destinée. Ça va partir en Nashor du côté des Shulk, on hésite. Dragon, Nashor, ça va partir sur Nashor du coup directement. On va pas perdre de temps, par contre Spratel qui est un petit peu en overextend. Pourquoi il est parti par. Je t'ai perdu là-bas. Là quand même Spratel. Hein. C'est tout qui a eu flash ward. Le pilar, flash in de la part de Nuke Duck, c'est bon, on va pouvoir prendre le kill. Ah, il s'est un petit peu perdu là-dessus, Spratel. Et du coup, on va être obligé de disengage au niveau du Nashor du côté des Shulk. C'est dommage ce que offre Spratel là-dessus. Allez mettre une ward deep à ce moment-là de la partie. À quoi ça sert, sachant qu'ils veulent se diriger plutôt vers l'objectif Nash. Et donc mettre une ward du côté du dragon n'a aucun intérêt. Le triple dash du côté des Schalke, pas de problème. On arrive à se mettre en sécurité. Bon, on arrive à récupérer un double kill, mais à prendre qu'un seul dragon. C'est dommage. Ouais, c'est pas plus mal quand même pour les... je pense que les Schalke sont quand même plutôt contents de leur agression. Ils ont réussi en fait à complètement prendre les Vitality à leur propre jeu. C'est-à-dire qu'on va over-agresser. C'est un petit peu... voilà, la meilleure défense, c'est l'attaque. On va engage cette équipe qui a tellement d'engage à montrer. On n'a même pas eu le temps de mettre la flèche du cristal hein, du côté de cette... Ah, c'était trop compliqué. Par contre, Spratel, vraiment, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, il voulait mettre des... Même pas, il a même pas mis une ward en fait. C'était une ward qui était déjà posée depuis longtemps. C'est dommage, ça aurait permis à son équipe de récupérer un Nashor. Merci à Spratel, du coup, d'aider un petit peu les Vitality, qui sont un peu dans la tourmente pour le moment. Et du coup, en poche, le Zhonya du côté de Nuke Duck. Mais pourquoi un Zhonya, je comprends pas. À moi qui veux faire une Misaya. C'est-à-dire utiliser son TP au milieu des 5 joueurs des Schalke, mettre son Zhonya le temps que son équipe arrive.
Mais bon, c'est quand même extrêmement risqué face à un Lee Sin et un Yamal Zahar. Mais pourquoi pas? Et alors, on va voir ça. Donc du coup, au niveau de cette mid lane, maintenant, on va pouvoir déployer le DPS de Police et de NugDuck. La tour ne devrait pas tomber, par contre, cette fois-ci. Pas non plus de connexion au niveau du Q-Spell de Lee Sin. Et est-ce qu'on peut arriver à faire des pick-up, hein, surtout parce que la composition des Vitality, c'est surtout sur les pick-up que ça se joue. On a une hache, on a un TF avec une Destiny. On a aussi un Shook avec les Légions des Ombres. On a justement du pick-up. Ce serait peut-être à nouveau Lord Pratel qui va se faire attraper. Police qui va tomber sous les coups de Genius. L'arrivée de Shook pour essayer de tuer Pratel qui restera en vie finalement. Si c'est bon, ils vont prendre le kill sur le support. Après, ce sont bien commit pour un support. Nubdog qui pourrait tomber. Oh, le flash, on se rappelle. Est-ce que Genius peut faire peut-être un Q-spell? Non, ça ne touchera pas sur Casting. Flash out du support des Vitality. Vraiment, on se commit énormément du côté de ces Vitality. Pour pas grand chose au final, Rales qui fait un très très gros travail de DPS dans les fights et on pourrait récupérer une tour de plus peut-être. Mais c'est vrai que c'est dur en fait aussi la composition des Schalke. Quand elle commence à prendre de l'avance, elle a tellement de shield, aussi bien entre le passif de Malzahar, mais après le shield de l'ultimate de Shen, plus le shield de Karma. Du coup ça rend une équipe, plus le shield aussi de Lee Sin, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Du coup ça rend une équipe extrêmement difficile à tomber de la part du côté de Schalke. Et il faut vraiment pas se rater, hein, au niveau des pick-up. D'ailleurs, on va le remarquer. Hein. Regardez, Spratel, il va prendre un combo, une carte de la part de NugDuck, une arrow. Et pourtant, Spratel reste debout grâce à l'ultimate de Shen. Donc du coup, on a tout mis en fait pour la récupérer un support côté Vitality. Mais tuer un support pour perdre trois personnes derrière, je suis pas sûr que ce soit vraiment worth. Enfin, deux personnes. Et c'est un peu le problème en fait, c'est qu'il faut vraiment bien arriver à maîtriser ses contrôles de la part des Vitality, bien faire des chaînes CC, une gold card follow-up par une arrow, follow-up par un combo d'Alistar, mais vraiment pas tout mettre en même temps. Si on laisse pas ce genre de scénario. Les Schalke jouent très très bien parce qu'ils restent vraiment bien groupés ensemble. On a vu, hein, même sur le catch là, Gilius était collé à Spratel, on avait Rales qui était pas très très loin et Fox qui a pu rapidement rejoindre son équipe avec le chaîne. On va passer rapidement sur nous parce que c'est vrai que le field lag un petit peu malheureusement. Ouais, désolé pour les problèmes techniques, hein, c'est complètement indépendant de notre volonté puisque c'est ce qu'on reçoit. Ah, okay. Il y a un problème d'internet au niveau de la... Ils ont perdu internet apparemment. Ouais, ils le cherchaient partout. Ils l'ont. Riot, voilà exactement. Ils cherchent. Donc voilà, c'est complètement indépendant de notre volonté parce que voilà, comme vous le savez, nous on est en internet. Et eux ils nous envoient, donc c'est ce qu'on reçoit en fait qui a des petits problèmes. Donc évidemment, attention, le cap sur Fox peut-être. Si c'est fait, Fox qui se retrouve isolé. Pour une fois, on arrive à isoler un joueur du côté de Vitality. C'est ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est pas mal, effectivement. D'ailleurs, un petit avantage, pourquoi ils continueraient pas au niveau de cette mid lane, puisque dans tous les cas, les Schalke sont quand même en overextend. On peut plus la duel lane éventuellement. Ils sont un petit peu en overextend là. À moins qu'on parte sur un Nashor. Il y a un ultimate, il n'y a pas téléport du côté de Steve. Il y a un ultimate par contre. Ouais, le bug de Cabochard, mais il a le TP au pire, il peut revenir. C'est bien zoné de la part de Gilius là, le bon Q-spell pour faire perdre un petit peu de temps à ce Cabochard. Il y a à nouveau du temps perdu, il n'aura pas de bug du coup pour le Trundle. Et Steve qui peut peut-être continuer à mettre de l'agression, essayer de prendre cette T2, ce serait très bien réagir au pick-up d'un midliner en prenant une tour. Ce serait excellent pour les Schalke Nullfear qui pour l'instant se maintiennent à niveau, mais voilà, on sent hein, en termes de différentiel de gold, ça n'a pas beaucoup évolué. Les Vitality qui ont récupéré les deux tours de retard dont ils souffraient. Et avec le catch possible, là, on a récupéré un petit peu d'avance. Les Vitality qui pourraient être relancés complètement dans cette partie avec un Nubduck 4-2-1 qui est plutôt en forme. Il a séculaire, brillance et un Zonia. Attends, le pilier de Trundle enlève le passif de Malzahar. Oui, tous les CC. Ah oui, c'est vrai. C'est un CC, donc effectivement ça marche. Ah oui, ça fait un petit bump. Ah ouais, c'est quand même tricky hein, comme truc. Mais pourquoi pas. Et ça fait les affaires des Vitality. Bon pick-up, même si on n'arrive pas à le transformer en quelque chose de plus grand. Après, du côté des Vitality, dans tous les cas, je pense que la early game, c'était sûr et certain, ils devaient se douter qu'ils allaient le perdre. Surtout ne faisant pas de swap lane, pour arriver justement à tenir sur l'agressivité d'un Lee Sin et d'un Lucian Karma. Et surtout les lacunes d'un Alistar sur la laning phase. Mais par contre, s'ils arrivent à conserver leur T2, ça les met quand même dans une très très bonne position, puisque du coup ils peuvent farm de manière extrêmement safe. Il y a du farm qui va arriver sous leur tour. Ils peuvent commencer à se regrouper en attendant que le farm arrive sous leur T2. Et du coup, qui essayent de créer le mouvement et arriver à tenir un petit peu justement contre ce nombre de shields de la part des Schalke. Ce nombre de shields complètement aberrant. Et après, si on arrive à justement monter en level, si on arrive à récupérer 3 items du côté du midliner, 3 items du côté du carry AD, on va pouvoir accélérer le jeu.
et là commençait à faire des phases de pick-up sur Cassim. Sera complètement raté de la part de Raleigh. C'était bien esquivé là par Cassim qui s'est mis dans le petit coin. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y avait quand même une grosse grosse force chez Vitality. C'est qu'on a une composition qui a énormément de wave clear. Alors que du côté des Sharks, on n'a pas vraiment une grosse phase de. Une grosse phase de siège en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu délicat. La destinée pour vérifier un petit peu le placement des joueurs, Shaq nous le fire. Ah, on va quand même tenter de se contester du côté Vitality. Est-ce qu'on arrive à faire un pick-up? Il faut arriver à trouver là-haut du côté Vitality. On n'a pas le choix, il y a tellement de shield. Une nouvelle fois du côté des Schalke, il faut trouver là-haut. Il faut trouver de là-haut. Le pick-up peut-être sur Phil. Ça ne suffira pas l'arrivée de Julius. Il a mis Cuspel sur Poli, ça ne suffira malheureusement pas. Il va tomber. Il a un petit peu raté son moulage, je pense, Lilius. Le bon tone de Steam. Est-ce que ça suffira peut-être pour prendre Noob Dog? Noob Dog, il a encore envie. Il a encore envie. Oui, le qui fait la différence ce fight. Et pour l'instant, Police qui continue de DPS tranquillement. Police qui peut faire la fin du team fight. Non. En les visions maléfiques de Malzahar sur Police en plus. Est-ce que ça peut aller au bout? Non, il va s'en sortir. Heureusement. Il a quand même réussi à prendre un kill. Nug Duck là-dessus. Bien joué à lui. Cabochard, est-ce qu'il va faire son apparition? Non, ils n'arriveront pas à récupérer le dernier kill sur les Vitality. Est-ce qu'on va partir sur un Nashor? Ça me paraît quand même risqué. On a Warlord hein, au niveau des Masteries de Police. Donc on a pu régénérer des HP. Regardez, il a quand même repris pratiquement midlife. Le téléport qui est mis en place du côté de Cabochard. Finalement, on a l'air de se diriger vers Nashor. On a des dégâts. On a une hache. On a un TF avec un Lich Bane, on a un Trundle justement qui fait pas mal de dégâts avec Tiamat. Et finalement ça tombe très très rapidement. Ça tombe très très rapidement. 4000 HP déjà, 3000 HP. On va essayer d'en mettre un petit peu du côté de Sproatel. Le style de Nashor me paraît quand même extrêmement risqué. Et l'arrivée de Shook pour sécuriser ce buff là. 5 Nashor du côté de Vitality. Très très bon fight. Et finalement ça a été payant d'arriver à temporiser. Bien joué de leur part. On va revoir justement ce teamfight. Excellent travail de la part de Casting. Et là, j'ai pas compris en fait comment Raleigh a pu se faire pécho comme ça. Donc, du coup, il y a premier combo de la part de Casting. Il est positionné, il n'y a pas de problème. Ah oui, il y a Julius. Julius l'a complètement raté son move. Julius qui rate son move, effectivement. Et là, ça coûte très cher. Le taunt n'est pas trop mal. Et là, Raleigh il fait un dash en côté pour essayer d'avoir un peu plus de DPS. En fait, il flash, mais quoi. Il le flash en fait. Du coup, il les prend un petit peu à revers, effectivement. Et le stand United du Shen qui ne suffira pas. Regarde les dégâts de Fox. Et ça, c'est dommage parce qu'on a un petit peu give up. On s'est dit, non, ça passera pas. Oh, Cassim qui a failli tuer son carry AD. Et là, comment il a fait pour avoir le kill? Ok, d'accord. Le problème de Thunderlord du côté de Nug Duck. La quatrième auto-attaque du E. C'était un fight serré quand même, hein, qui aurait pu très très mal se passer. Ouais, très bon travail de la part de. Qui a failli tuer son carry AD. Et là, ça aurait pas été la même chose. Hein. Effectivement, c'est vrai que si Police mourait, on pouvait pas forcément prendre le Nashor, mais là ça va permettre à Vitality d'aller pour potentiellement peut-être pas finir la game, mais en tout cas enfoncer la base de ces Shaq Nulfir. Shaq Nulfir qui risque d'avoir perdu en fait. Ils avaient vraiment une grosse opportunité sur le tout début de partie, ils n'ont pas forcément réussi à l'appuyer suffisamment. Et là, est-ce que ce serait pas trop tard pour cette compétition? C'est le problème aussi d'un Lee Sin, quoi. T'as tellement envie de tenter de l'insec que forcément tu respectes pas les summoner spells des adversaires et donc tu respectes pas les flashs des adversaires. Et donc du coup, si t'arrives pas à surprendre ton vis-à-vis, bah t'arriveras jamais à faire d'insec. La preuve, il y a Julius qui a essayé hein, de faire une insec en mettant un dash ward, en mettant un flash derrière Police. Mais comme il avait son flash disponible, Police, bah évidemment tu te fais pas avoir si facilement. Oh, le go-in de la part de Cassim. Cassim a fait un petit peu contrôler son tour, c'est compliqué. Police, qu'est-ce qu'il fait là? Police, il se fait ramener par Julius. Cette fois-ci, Julius qui fait le move et qui change complètement la donne. Cassim qui devrait tomber sous le coup des Shalk Nulfir. Et on perd deux joueurs cette agression. Énorme travail de Julius. Certes, il tombe, mais cette fois-ci, par contre, il arrive à ramener Police. Parce que Police n'avait plus son flash. Voilà, exactement. Tuck-Tuck, là, ça passe. Tout simplement parce que Police n'a pas de flash. Donc, Julius, avec son insec, il est sûr à 100% de la réussir. Si jamais Police a un placement discutable, chose qu'il avait. Et on arrive du coup à récupérer un kill assez facilement de la part des Schalke, un double kill même. Et c'est pas mal. On va revoir d'ailleurs le fight hein, là-dessus avec l'engage de la part de Cassim. Et regardez Julius, dash ward, tac, Police qui est envoyé directement sous la T2 des Schalke. Et du coup, c'est très très facile de récupérer un kill. Et heureusement que d'ailleurs que Nublock réagit bien et recule avant l'arrivée de Steve, parce que ça aurait pu être catastrophique pour les Vitality de perdre 100 000 laners en plus. On a quand même perdu deux joueurs là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a plus que deux buffs Nashor, cette composition Vitality. Et deux buffs Nashor, ça risque d'être un petit peu moins efficace en termes de push. Ils n'ont pas réussi à faire un trou de prendre une T2. Grosse, grosse défense de la part des Shaq Nulfir. Certes, ils n'ont pas forcément beaucoup de wave clear. Ils ne peuvent pas forcément empêcher les Vitality de taper sur leur tour. Par contre, ils peuvent les hard engage comme Fezilius. C'est pas forcément facile à faire avec un Lee Sin, mais il arrive à trouver la solution. Et ça, lui, sauve la vie. Enfin, ça sauve la vie de son équipe en tout cas. Du coup, rien n'est perdu pour les Shaq.
Non, c'est vrai que c'est pas trop mal, une game assez serrée. Bon, 3000 gold d'avance quand même pour les Vitality. On a un late game qui est assez solide hein, côté Vitality. Je pense justement à la hache avec justement son Runan qui va faire beaucoup de dégâts en AOE. Pareil du côté de NuckDuck qui va commencer à faire pas mal de dégâts. Cabochard aussi là qui commence à être stuff de manière plus que correcte. Et l'engage de la part de Chook. Est-ce qu'on arrive à trouver une bonne Légion des Ombres? Pour le moment, on prend un silence, on prend beaucoup de dégâts. La Lacklims qui est utilisée mais qui ne permettra pas de survivre aux assauts de la part de Balthazar. Il est plus sous soumission maintenant. Cabochard il prend quand même pas mal de dégâts. Les dégâts de c'est Bourbier. C'est compliqué, il va mourir quand même sous les c'est coups de Sylvain. Très très Bourbier côté Schalke, côté Vitality. Oh, Julius qui fait encore le move, un kick sur Kassig pour essayer de le repousser un petit peu. Le Q-spell qui va toucher, malheureusement il y avait la volonté de faire, ça ne suffira pas. Julius qui va tomber sous les coups de NoobDuck. Et le sniping fait par Rales. Excellent travail, Steve qui vient compléter le kill. Ce sera 4 kills pour 2. Et les Shaq Nulfir qui à nouveau font un team fight incroyable. Ça fait deux fois que Chook tente vraiment d'aller agresser. Ouais. Il s'empale contre la frontline de ses Shaq Nulfir, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait prendre une T3? On va pouvoir la prendre cette T3, ouais, peut-être même l'inhibiteur derrière. Les Shaq Nulfir qui pourraient revenir à cette partie et aller l'emporter alors qu'on voyait les Vitality dominants. Énorme teamfight de leur part. Et Chook qui doit s'en vouloir quand même là sur l'agression. Ouais, c'est vrai qu'on tente pas mal de trucs alors qu'on a du pick-up hein, surtout du côté Vitality. Donc pourquoi tenter des moves risqués comme ça? Au lieu de défendre, partir sur un mec en overextend. Comme on a dit, ils ont énormément de shield, les Schalke. Il y a même un Mikael qui a pop dans le stuff de Spratel. Ce qui rend les récupérations de kills encore plus compliquées côté Vitality. Il faut arriver à temporiser, il faut arriver vraiment à mettre tout son DPS de concert. Sinon, ils vont pas réussir à prendre à récupérer des kills facilement. Et c'est là où on voit finalement la draft des Schalke est pas si mauvaise que soit, et même loin d'être mauvaise. Même si finalement je trouve que le late game Vitality est bien meilleur. Le destiné du Dub pour aller chercher le dragon des montagnes sur la troisième de la game. C'est vrai pour l'instant les Shaq Nulfir qui font un très très bon travail en team fight. En fait ils ont une frontlane très intéressante pour protéger en fait un Lucian ouais, et un Malzahar. En fait là les Schalke ils gagnent uniquement sur leur shield. Ouais. En fait si les Vitality arrivent vraiment à mettre leurs dégâts ensemble, donc à taper évidemment la même personne, à faire un bon chain CC etc. Ou voir à la limite trouver la OE, ils gagnent. Les Vitality, parce que je trouve sur le papier ils ont quand même une meilleure composition de late game. Je sais pas ce que t'en penses, Tech. Ah, je suis d'accord. Ils ont toi. Une meilleure composition de late game. Il mais en regarde le fight, Chook engage. Il faut ouvrir déjà, il n'y a pas de follow-up. Il n'y a pas de follow-up du tout. Enfin, donc en fait, Rales, il est full life. Il a pris l'autre langage du Ekarim. Il est full life parce que simplement il a pris le exactement. Le stand donc, United. Donc première mort du côté des Vitality à Ekarim qui fait une charge mais qui n'a pas du tout de follow-up de la part de ses alliés qui ne peuvent pas du tout mettre leur DPS et qui meurent pour rien. Cabochard qui pareil qui se fait avoir par un ultimate de Malzahar, pas du tout de follow-up de la part de ses coéquipiers, donc du coup il meurt aussi pour rien. Et après il n'y a qu'un move de la part de Kassig qui là par contre est follow-up par ses carries et ils arrivent à récupérer un kill. Ouais, attention, Nubdog qui va se rattraper ici. Un transamment CQSS par Rales plus un stand United, Nubdog qui pourrait tomber. Le go-in, flash-in-flash-out de la part de. Enfin, dash-in, flash-out, pardon, de la part de Julius qui permet de prendre le kill sur le mid laner des Vitality. Est-ce qu'on pourrait pas signer à la fin de la game là? C'est compliqué sans TF. 47 secondes de respawn. Les Shaq Nulfir vont avoir énormément d'espace pour évoluer sur la carte maintenant. Est-ce que je comprends pas? C'est vrai qu'ils ont une arrow en fait les Vitality, mais pourtant ils n'utilisent pas pour initier les teamfights. Après c'est vrai qu'on commence à avoir une QSS du côté de Rales, enfin Mercurial Simtar. Du côté de Fox on a un passif qui rend les choses assez gênantes. Mais on peut toujours arriver à faire des pick-up sur Spratel, toujours arriver à faire un pick-up sur Julius ou Steve. Et après dans tous les cas il y a un pilar aussi pour arriver à cancel du coup le passif de Malzahar. Donc pourquoi pas arriver à trouver une synergie une nouvelle fois comme ils l'ont fait à un moment sur un kill sur Fox en utilisant un pilar et en mettant une arrow derrière. Là trouver un engage avec un Chook qui n'est pas protégé hein. Il a rien pour le protéger Chook. Il n'y a pas de shield de Karma, il n'y a pas d'ultimate de Shen, il n'y a pas un shield de Janna, il n'y a pas un shield de quelque chose quoi qui puisse le rendre un peu plus tanky. Donc lui il a juste ses bijoux de famille et son couteau pour essayer de rentrer dans la teamfight, ce qui est quand même très très léger pour un Ekarim jungle. Par contre attention Julius, et regarde, peut-être un pick-up. C'est le moment de faire un pick-up sur Julius. La roue qui est un petit peu tard du côté de police. C'est compliqué quand même d'attraper Julius. C'est un listing, il est très 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 tanky. Attention Rales, c'est pas mal, ça prend la carte. Et là, il est sur Fox, il va pouvoir récupérer le kill. C'est bien fait, Rales qui se fait un petit peu contrôler par Kassig, il pourra pas DPS, il va se faire attraper par Cabochard, je pense pas que Rales. Quoique avec la destinée peut-être. Julius peut-il sauver son Kayade, ça ne suffira pas. Il risque de tomber du coup sous les coups de NoobDuck. Excellent catch de la part des Vitality. Regardez Steve comme il tank. Steve il est tellement tanky, il est sur contre 3 personnes de Vitality. Il tient. Il essaye de peut-être récupérer un kill. Ça va être difficile. Le taunt qui va passer. C'est pas mal fait. Il n'y a plus beaucoup de points de vie. Bon, on n'ira pas plus loin malheureusement. Les dégâts de NuckDuck, ouais. Les dégâts de NuckDuck, ça fait clairement la différence. Ah, il fait mal, NuckDuck là. Il commence à tapoter. Là, Rabadon, Lich Bane, Zonia, séculaire.
je pense effectivement cette faillite commence à tapoter un petit peu. 11-4-5 bon, voilà, pour le bon Doc. C'est quand même mieux du côté Vitality qu'on arrive à faire des pick-up. Mais effectivement, si on y va de front, si on est 5, après Spratel n'était pas là. Donc il n'était pas là, il n'a pas pu mettre en place son Mikael, il n'a pas pu mettre ses shields non plus. Regardez Gilius qui se fait ouvrir directement par un combo, la charge de la part de Chou qui était très très bonne. Et en fait, l'arrow de police qui touche le passif de Fox, ce qui permet à Nugduck en fait de mettre une gold card et d'arriver à récupérer le kill derrière. Ouais, c'est vrai que le seul Unity en plus ne suffira donc pas. Donc finalement, pour en fait, ils ont eu du succès avec l'arrow qui était destiné pour Gilius et qui est bien parti en fait sur Malzahar. Ça, c'était vraiment pas trop mal. Ouais, Gilius qui a tenté vraiment de sauver son Kayade, mais ça ne passera pas. On voit quand même les dégâts de Steve, notamment sur le bon Police, qui est obligé de donner tout ce qu'il a pour tuer ce chêne à 1v3. Puis la zone de. À ce moment-là du jeu, la zone de blocage auto-attaque qui dure. Même si elle dure pas très très longtemps, hein, je crois que c'est quoi, c'est une seconde et demie. Un peu plus, non? Un peu plus, peut-être une seconde et demie. Même un peu plus, mais du coup on sent vraiment que ça fait une grosse différence en teamfight. Oh, attention au pick-up, ça force le flash, l'arrivée de Chouk. C'est compliqué quand elle est destinée, il ne pourra pas faire la différence. Et on a Spratel qui va rejoindre son équipe, la destinée pour aller rejoindre justement en termes de push, récupérer cette T2. Si elle se fait attraper, c'est bien vu. Tellement fort, Shen. Tu prends même pas les gold cards d'un TF puisque c'est une auto-attaque. C'est dingue quoi, c'est dingue la force du champion contre la composition des Vitality finalement. Très très bon pick de la part de Steve. Et alors du coup, est-ce qu'on va pouvoir mettre en place du TPS du côté de cette mid lane? La défense va être difficile côté Schalke. On l'a dit, la composition des Vitality est quand même bien meilleure à celle des Schalke en termes de dégâts sur les objectifs, sur les champions. À partir du moment où on arrive bien à taper ensemble le même champion, et regardez Nugduck, 11-4-5 avec son TF. Attention au split push d'un TF. Il a même pas pris la peine de faire un voice staff. Rien à péter, on part directement sur des dégâts, on veut avancer sur les objectifs quand on a l'occasion. Et maintenant il a QSS. Et Gilius qui essaie de trade un petit peu en termes de dégâts. Gilius, le kick sur Cabochard. Bon, c'est Cabochard, est-ce que t'as vraiment envie d'essayer d'attraper ce trundle? Il est quand même très tanky, il n'y aura pas de follow-up en plus. C'était un kick un petit peu dans le vent là malheureusement. Et le décalage de la duel de ses Vitality pour aller chercher le combo de casting sous ce tour pour Steve. On a vu le proc Lich Bane sur cette tour, quasiment 40% de la tour qui a disparu sur le hit de Noobdog. Il commence à tapoter vraiment très très fort. D'ailleurs, c'est marrant que Cassing ait cherché un combo sur Steve. Je m'attendais juste à ce qu'il le pousse avec un headbutt et garder éventuellement sa pulvérisation si jamais il se rapproche. Mais bon, dans tous les cas, ça fait les affaires des Vitality. Ils vont pouvoir récupérer cette T3 facilement. La roue qui va toucher Spratel. Est-ce qu'on arrive à trouver un follow-up du côté des Vitality? On va pas le chercher, on va pas s'y risquer. On va décider de jouer safe, d'avancer sur les objectifs tranquillement. Une nouvelle fois un combo de la part de Cassing. Est-ce qu'on arrive à trouver un follow-up du côté des Vitality? Attention à Chouk, la charge. La Légion des Ombres pour arriver à disengage. Mais ça a permis à son équipe de récupérer la T3. On n'a plus d'ultimate, pardon, du côté de... Gilius peut-être. Est-ce qu'on a l'exaltation sous mantra, le Q-spell? C'est bien donné là par rapport à Gilius. Il n'arrive pas du tout à mettre son Q-spell. Il a mis un kick, du coup, faut sur Police, mais ça ne suffira pas. On va forcer le GA de Solicine. Le flash hit sur Police. Très bon joué de la part de Steve. Ça ne suffira pas. Il va se faire kite. Steve. Il va tomber probablement dans la zone. Il temporise un petit peu. Ça ne suffira pas. Double kill de Noobduck. Police qui ne tombera pas. Et ils l'ont fait, les Vitality. Ils ont réussi à temporiser. Dommage de la part de Schalke aussi, c'était pas facile hein, comme draft, ils étaient obligés de jouer ensemble pour justement faire fonctionner leur shield massif. Aussi, ça a bien marché en early game, normal, on n'avait pas assez de dégâts du côté Vitality avec ce TF battant séculaire, plus cette hache. Mais après par contre, en late game, à 40 minutes de jeu, regardez les dégâts de Nukedog sur les bâtiments, c'est juste complètement insane. Et une petite destinée pour la fin, pour le beau jeu, victoire des Vitality qui va prendre cette première game contre le Schalke 04. Une game qui est restée quand même assez serrée. Ouais. Bah en fait, je sais pas en fait ce qui était le plus dur. Parce que les Vitality en fait devaient bien jouer ensemble pour arriver à faire des pick-up, arriver à mettre en place leur DPS et à passer outre le shield une nouvelle fois comme je l'ai dit des Schalke. Et du côté Schalke par contre aussi on devait bien jouer ensemble pour faire par contre marcher un shield. Donc on n'a pas de CC, mais par contre on a une rotation par contre au niveau des shields qu'il faut arriver à mettre en place. Et c'est quand même vachement dur à faire fonctionner. Puisque du coup en fait c'est pas un CC direct, tu vas pas enlever en fait un DPS aux adversaires en l'empêchant d'auto-attaque pendant 1, 2, 3 secondes. Mais par contre tu vas mettre un shield sur tes alliés, donc du coup ton allié doit avoir un très très bon placement pour arriver à tenir, et tu dois avoir aussi des très très bons focus, parce qu'en fait avec le temps qui t'est imparti, avec le shield qui t'est imparti, il faut que tu arrives à enlever un carry adverse.
Et c'est pas facile. Dans le V1TF, dans ça le V1, ça s'est bien V1 passé sur quelques teamfights, ouais. Ils ont très bien fait, mais c'est vrai que sur le dernier teamfight notamment, où bon, on voit un Gilus qui se fait un petit peu attraper derrière Fox, il prend l'arro et qui peut derrière se faire goldcast, il a plus le passif. Là, ils ont pas réussi à le mettre en place, notamment, bah, en fait, tout simplement, il était pas là, Spratle, il était à sa base. Gilus, il se fait un petit peu attraper de manière isolée et ça change complètement. C'est vrai qu'en fait, la Karma, elle est quand même majeure dans la composition de ces Shaq Nulfir, parce que c'est elle qui met les plus gros shields au final. Plus le Mickaël qui fait du bien contre un TF goldcard. C'est vrai que ça a manqué. Je pense qu'elle avait un Solari aussi ou pas? Je pense qu'elle avait un Solari. Non, elle avait un Ardent, je crois, un Sansoir Ardent. Ah, Sansoir Ardent, mais il y avait un Solari. C'est peut-être le Lucine du coup qui avait le Solari. Je crois qu'il y avait un Solari dans la. Il y avait un Solari probablement, c'est obligé de toute façon. Ouais, je pense que ça devait être le Lucine du coup qui devait l'avoir. J'avoue que je me rappelle pas exactement du stuff des joueurs. Mais voilà, gros travail de Civitality qui arrive quand même à courber les chines sur la phase de laning en sachant très bien qu'ils vont la perdre parce que les picks qu'ils ont pris sont pas faits en tout cas pour remporter la phase de lane. D'ailleurs, ils arrivent à pas prendre trop de retard, même si à un moment on s'est fait peur quand même, il y avait 3 tours à 0. Et puis à un moment ils ont perdu un inhibiteur quand même. Ouais, ils perdent l'inhibiteur, hein. Donc c'est vrai qu'à un moment ils se font vraiment peur. Mais voilà, sur la prise de teamfight, sur le late game, surtout sur Nuke Duck qui est complètement insane, ouais, sur son TF. Était là. Heureusement qu'il était là, il a bien sauvé la game. Et c'est dommage du côté des Schalke qu'on ait perdu le tempo en fait, ouais. Tout simplement. Puisqu'en plus il n'y avait pas de swap lane mis en place du côté des Vitality, donc on n'avait que des lanes gagnantes côté Schalke. On arrive à bien l'utiliser en early game et après on s'arrête de jouer, on ne joue plus ensemble. Et du coup on se fait pick up et il y a eu un comeback de la part des Vitality qui eux avaient un excellent late game. Bien joué Ovita du coup. Est-ce qu'ils peuvent faire le 2-0 pour justement partir en vacances dès aujourd'hui? Ou au contraire, les Schalke vont faire l'égalisation? Réponse! Du coup, juste après une courte page de pub, à tout de suite sur Gaming. Et nous sommes de retour en compagnie de TechTech, évidemment, pour ce deuxième game entre Vitality contre Schalke Nulfir. Ouais. Donc on commence à rentrer dans les scénarios potentiels de tiebreaker, du coup, puisque si les Schalke Nulfir perdent ce BO et que les Origin arrivent à l'emporter face à H2K, il pourrait y avoir un tiebreaker qui se créerait du coup entre Origin et Vitality. Et si les Schalke Nulfir remportent la prochaine game, donc ils seraient à égalité avec Vitality, du coup il y aurait forcément un tiebreaker entre les deux équipes. Du coup à nouveau ce serait du coup un BO. Ça joue ou quoi? BO1 les tiebreaker? BO1, BO3? BO3 je pense. Je sais pas. BO1. BO1 peut-être. Peut-être BO1. Peut-être en BO1, effectivement. Donc voilà, c'est vraiment les deux scénarios possibles à suite à ce match. Ensuite, on aura le H2K contre Origin qui peut aussi créer des situations de tiebreaker, notamment si H2K win et que Fnatic perd son match, il pourrait aussi y avoir un tiebreaker. Voilà, pas mal de scénarios possibles. Bon, en tout cas, H2K a des grandes chances de win. Fnatic joue contre G2. Il y a des chances de perdre. Ça va être dur. Ouais, ça va être très très dur. Donc là, alors, on va voir du coup si Vitality arrive à faire un 2-0, ils seront en vacances directement. S'ils ne le font pas, ça sera la crise. On va voir s'ils arrivent à surprendre une nouvelle fois les Schalke. Ils sont pas forcément en vacances. Parce que s'ils font le 2-0 et que Origin win, du coup, ils seraient à égalité avec Origin. Merci, TechTech. Mais Origin contre H2K. Et les scénarios, hein, je les ai sous les yeux. Tu crois? Tu vas pas essayer de. Hein. Non, mais tu crois que Origin peut gagner contre H2K 2-0? Parce qu'ils sont obligés de faire 2-0. Oui, il faut gagner un 2-1. S'ils font pas, s'ils font un 1-1, ça ne marche pas. Dans mon année conscience, je vais dire non, j'y crois pas du tout. Mais voilà, tout est possible. Ça peut arriver. Du coup, on peut y croire. On peut y croire éventuellement. Après, ouais, je pense que les Vitality, là, ils ont vraiment envie d'aller remporter cette situation. Je crois que c'est pas Cabochard qui avait déjà pris ses billets de train, ses billets d'avion plutôt pour rentrer dès ce week-end. Il n'y avait pas une histoire comme ça à un moment. Bon, un peu pour la vanne, hein, évidemment, mais voilà, je pense que les Vitality, ils le savaient qu'ils n'allaient pas forcément en play-off. On va voir. On va voir ce qui va pouvoir se passer du coup entre Vitality et Schalke Nulfir, la deuxième game qui devrait pas trop tarder. On a vu quand même, hein, on a vu vraiment que tout est possible dans ces games. On a deux équipes qui ont un niveau très très similaire avec un style de jeu. J'allais dire en fait que le style de jeu, on voit des différences notamment sur des Vitality qui sont souvent plus agressifs en early game. Mais là on a vu l'inverse en fait, on avait des Vitality qui ont beaucoup plus joué sur le late game avec des prises de fight par pick-up. Passer les 25 minutes de jeu contre des Schalke Nulfir qui ont eux essayé de dominer sur l'early game. Ça s'est bien passé en début de partie, malheureusement ils n'ont pas forcément réussi à aller capitaliser jusqu'à la victoire. C'est Schalke Nulfir, on va pouvoir entrer dans cette phase de draft. Du côté des Vitality, on garde la même stratégie de ban, c'est-à-dire on ban deux junglers à Jilius. On va forcer Jilius, voilà, ban l'année d'aller forcément puisqu'on est en red side. Et ça va permettre passer à Vitality de, donc prochain ban ce sera probablement le Gragas.
priori. Ça devrait être ça. Du coup, du côté des Chalknulfir, est-ce qu'on bannerait pas le Twisted Fate de Noob Dog qui a quand même mis un gros problème? Oh, on va ban soi-même le Gragas. Ouais, côté Schalke, pourquoi pas. Faut se méfier parce que Chouk aussi est un très bon joueur de Lee Sin, du coup on pourrait éventuellement le voir lui prendre Lee Sin. Et du coup Gilius serait bien désemparé dans sa jungle. Ouais mais après ils peuvent quand même partir sur Karim, hein, les Vitality encore. C'est vrai qu'il y a aussi Karim. Il y a Malzahar qu'on pourrait enlever. Après on est... Ouais, c'est vrai que c'est compliqué là pour les Vitality parce qu'on a peut-être envie de sécuriser le Twisted Fate qui jusque là a vraiment très bien fonctionné pour eux. Mais ça veut dire que comme t'es en blue side, il est pas, enfin tu l'as pas en last pick, ça peut être un petit peu délicat. Et les Chalknulfir qui pourrait même peut-être aller ban ce Twisted Fate éventuellement. Où est-ce qu'on va ban le Kassadin? Ce sera le Malzahar de ban pour Chalknulfir. Nuke Doc, il a tous ses gros picks d'ouvert là. Il peut vraiment se faire plaisir. Et du coup pour les Vitality on devrait partir sur le. Ouais Karim potentiellement, à moins que le sécurité de la Karma peut-être aussi serait intéressant. Et alors du coup est-ce qu'on va avoir un first pick du côté Ekarim, du côté des Vitality ou non? Ouais, il y a disons quelques options, hein. Le Ekarim, la Karma, la Sivir, pas mal de choses à first pick. Peut-être Ekarim en premier pour pouvoir prendre la rotation directement Sivir et Karma derrière. Ou alors prendre la Sivir ou la Karma pour empêcher les Chalknulfir de les récupérer en seconde rotation de pick. Ça réfléchit pas mal du côté des équipes. À moins qu'il y ait un petit bug là. La draft se relance. Et là on sent hein, vraiment toute la pression sur les épaules des joueurs. C'est vraiment leur fin de speed qui est en train de se jouer. Maintenant sous vos yeux, les Vitality qui doivent l'emporter, récupérer cette seconde game pour espérer voilà, au moins finir devant les Chalknulfir qui auront été en fait finalement leurs adversaires les plus tenaces dans ce split. Vraiment les adversaires, ils ont dû rester à niveau, les rivaux un petit peu de la LCS EU, Chalknulfir et Vitality. Là qu'est-ce qui se passe puisqu'on a plus les picks? Ils ont peut-être relancé la phase de draft. Ouais, peut-être un bug. Ils n'étaient pas d'accord sur le dernier ban peut-être. Le ban Malzahar, tu crois qu'il voulait pas le faire? Je sais pas. Après je crois que Nuke Doc le joue pas Malzahar, mais je suis pas sûr. Nuke Doc, il l'a joué. Il n'a pas été incroyable avec, mais il l'a joué. Après, ah oui. Deux fois en plus et sans succès. Un petit peu compliqué pour le nuke deck de Mad. Enfin, après c'est vrai que c'est un joueur qui est pas facile à maîtriser, donc même s'il y a beaucoup de push et un passif qui est assez utile, ses ultimates sont quand même facilement cancel par la QSS et il faut pas rater évidemment ses timings, mettre la pression au bon moment, push, savoir push. Ouais, c'est vrai qu'il a des mécaniques. En fait Malzahar c'est un champion qui a des mécaniques très simples, par contre pour les appliquer de manière optimale c'est pas forcément le champion le plus simple à faire, notamment la pointe du néant qui est un petit peu délicate à utiliser je trouve. Tu sais que tu vas être immobilisé en même temps que ton adversaire et du coup il faut bien se positionner déjà à la base. Et dans l'idéal il faut réussir à mettre au moins le Z et le E sur l'adversaire avant pour pouvoir mettre maximum de dégâts pendant la durée de la pointe du néant. Et allez du coup on est reparti dans cette draft. On devrait avoir des bans similaires normalement puisque c'est pas les bans qui ont bug, sauf peut-être le dernier au niveau du Malzahar, on va voir. C'est peut-être le ban Malzahar qui a posé problème. Effectivement. On va voir ça. C'était un ban Gnar, effectivement, au niveau de Vitality. Et du coup, est-ce qu'on va avoir le Malzahar ou pas? Pour les Chalknulfir, ce sera le ban Malzahar. Donc je pense que c'est peut-être le first pick des. Peut-être que Bosher ne pouvait pas pick. Ça arrive parfois qu'il ait des petits bugs comme ça, on peut pas locker un champion. Et on va faire le first pick sur un Trundle pour les Vitality. Bon, j'avoue, c'était loin de ce à quoi je m'attendais. Moi non plus. Mais pourquoi pas après tout, hein, c'est un champion qui est solide, flex pick, qui peut partir en top lane ou en support. Champion qui est fort en plus contre les carryades du moment. Les champions statiques. Et après un champion aussi qui est fort contre les tanks. Donc c'est vrai qu'il a un petit peu tout pour lui. Et du côté des Nulfir, tu ne meurs pas en boucle sur la lane bien entendu. On va partir sur la même lane que la game précédente qui avait quand même très bien fonctionné entre Ralez et Spratel. Gros travail de domination de lane face à des Vitality un petit peu perdu. Réponse de la part des Vitality. Est-ce qu'on pourrait pas prendre un jungler peut-être rapidement? Le Ekarim serait intéressant pour repartir sur peut-être une draft similaire. Hein. On pourrait pourquoi pas. Côté des Vitality, sécuriser Sivir
Tibiri Karim. Non, ce sera le Shen pour Cabochard. Du coup, ce Trundle qui ira pour Cassing en bot lane. Et NukeDog qui va jouer sur son Vladimir. Il l'a joué 3 fois, Vladimir. Il a gagné qu'une seule fois. Après, voilà, c'est quand même un champion qui est très très fort. Du coup, de Chak Nulfir, quelle va être la solution prise par l'équipe? Peut-être manquer un petit peu de. Ce serait étonnant. On n'a pas encore vu de joueurs si risqués. Un Rengar, ça serait aussi étonnant. Julius, finalement, il a eu une réussite hier sur le pic. Non, il a perdu Julius hier sur le Rengar. C'est sur Rengar qu'il a perdu, t'es ouais. sûr? Ah, ok. C'est le Mordekaiser Jungle qui a gagné hier. En LCS NA, par les Phoenix One en plus. L'équipe de Mash. La brillante team vraiment des NA. God. C'était pas mal comme combo, ils avaient joué Mordekaiser avec une Kalista bot. Et en fait, c'est vrai que du coup, t'as des grosses forces de push quand une fois que t'as récupéré un dragon. Et en fait, tu peux lier le Mordekaiser à la Kalista pour essayer de le balancer dans le tas. Enfin, y a des trucs intéressants à faire, je pense, en fait, de champion. Ça va être sympa. Et du coup, on est parti sur un Graves du côté de Schalke et finalement le Ryze. Donc, le Ryze, c'est mon 14, je crois que c'est le Ryze qui a été changé, n'est-ce pas? Oui, c'est le nouveau Ryze, effectivement. Donc, on va voir ce qu'il va proposer. Donc, j'ai entendu un petit peu des midlaners qui le trouvent un petit peu faible actuellement. Après, je pense que les joueurs ont besoin d'apprendre à le jouer en fait. Voilà, on va voir si Fox nous fait mentir ou non. Du côté de Vitality, du coup, le Ekarim de Chou qui est en poche et Ekarim qui sera protégé par un Shen cette fois-ci. Donc, c'est pas mal cette draft de la part de Vitality. Ash, une nouvelle fois du côté de Police. Ash sur le champion sur lequel il a le plus de réussite d'ailleurs, le carrière de Vitality. Vladimir sur la mid lane. Donc, on a une composition qui est quand même très très bonne côté Vitality. On a un petit peu tout du CC, du disengage, du shield. Non, on a pas mal de trucs en fait côté Vitality, là j'aime beaucoup leur draft en fait. De la OE en plus on a du wave clear. Non, on a tout. On a beaucoup de très bonne draft. Un speed push intéressant, pas mal de protection aussi sur les carries. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, il y a vraiment de quoi faire du côté des Vitality. Et du coup le dernier pick sera pour Steve avec la Fiora. Et on aura un Grave Jungle pour Julius. C'est intéressant le Graves Jungle contre un Ekarim parce que, en général, la grosse faiblesse de Graves dans la jungle, c'est que t'as aucune présence en début de partie. Ouais. T'as pas de contrôle, tu fais pas suffisamment de dégâts pour vraiment appuyer sur les ganks. C'est très difficile pour toi de faire la différence, t'as besoin de farmer au début. Mais comme Ekarim a aussi le même scénario de jeu, ça va permettre à Julius de monter en puissance. La dernière fois qu'il a joué le Graves, il a gagné, il était avec un KDA de 8. Donc voilà, on sait qu'il est capable quand même de bien maîtriser le champion. Ça va être intéressant de voir notamment les décalages à base de Graves dans l'ultimate de Ryze pour essayer de s'approcher encore plus facilement au corps à corps. Ça peut être intéressant. Et Shaq Nulfir qui prennent la Fiora pour avoir l'option de speed push gagnante. Je ne sais pas si Cabochard pourra remporter son matchup face à Steve. On l'a vu sur la game précédente, Steve était quand même dominant malgré le matchup négatif du Shen contre le Ouais, mais là, évidemment, on a vu des Fiora. Bah, justement, c'est Cabochard hier qui a joué Fiora contre des Shen. Sans succès, il a réussi à le tuer une fois grâce à l'aide de son jungle, mais après il a jamais pu prendre un 1v1. Et après c'est vrai que si tu restes en fait collé au mur et tu permets pas du coup à la Fiora adverse de taper tes points faibles, tes points vitaux, tu lui accordes pas énormément de sustain et pas énormément de dégâts. Donc ça va pas être facile hein, pour Steve, même si on connaît les qualités du joueur. Je suis curieux de voir s'il va faire une meilleure performance que Cabochard hier sur le même champion contre un Shen, sur le même matchup. Ouais, c'est intéressant de le suivre. J'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que Steve va pouvoir évoluer face à Cabochard. On a vu il avait l'air en forme quand même, Steve, très très fort sur son chaîne. Du coup, il connaît quand même bien le champion. Je pense que sa Fiora pourrait dominer. C'est vrai que c'est un champion qui est tellement fort. Je pense que c'est peut-être même le meilleur duelliste du jeu. Fiora, est-ce que tu vois un pick qui serait plus fort en 1v1 pur? Peut-être Jax. Trundle. Je pense honnêtement que la Fiora est meilleure que Trundle sur le 1v1. Ouais, tu crois? Je pense, sauf si il a son ultimate activé, Trundle. Je sais pas. Mais en fait, je sais pas parce que t'as pas vraiment beaucoup de stats à prendre sur la Fiora avec la soumission. Tu gagnes moins de stats défensifs que si tu le mettais sur un tank. Du coup, t'es un petit peu moins efficient avec la soumission. Et une Fiora fait quand même beaucoup de dégâts, notamment sous ultimate avec tous les dégâts bruts. Ouais, je mettrais quand même la Fiora devant dans le match-up. Après, voilà, tout est. Je pense que c'est aussi un match-up de skill pas mal, hein, savoir comment vas-tu prendre les fights, ouais, à quel moment est-ce que tu pourras. Ouais, c'est la grosse force du champion. La grosse force et la grosse faiblesse aussi du champion. C'est un champion qui ouvre beaucoup de possibilités, qui demande beaucoup de skill aux joueurs, du coup qui peut être potentiellement game breaker, mais du coup qui peut aussi t'amener à des fails. Il va falloir faire attention. C'est vrai qu'on a des gros joueurs quand même, de manière générale sur League of Legends, des gros joueurs de Fiora. On pense forcément à Smeb par exemple, qui est peut-être le joueur le plus incroyable avec le champion.
J'irai jusqu'au rang du meilleur en fait. Et alors du coup on va être parti dans cette game. La composition de Schalke, on en a pas trop parlé. Mais du coup qu'est-ce qu'ils ont? Rise. Donc toujours une botlane qui est assez agressive. Botlane dominatrice, après un Rise contre un Vladimir. Je pense que c'est compliqué quand même dans le matchup. Rise, je me rends pas compte en fait de sa force, c'est un peu le problème comme il est nouveau. J'arrive pas à savoir si il est vraiment performant ou non. Et à mon avis, il a quand même. Enfin. Vu ce que disait le midlaner, qu'il manque un petit peu de dégâts. Faut voir. En tout cas, dans les teamfights, sur les lane phase, ça reste ok. Mais dans les teamfights, c'est pas si facile que ça à maîtriser. Surtout que là, une nouvelle fois, on va avoir un shield de la part de Poly. De la part de Vitality, je veux dire. On va voir si le Kabochar peut faire la différence. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même un bon catch mono cible hein, du côté de ces Shaklumfir basé sur le Rise notamment. Mais c'est vrai que du coup avec le chaîne de Kabochar ça peut complètement détruire l'engage des Shaklumfir. D'ailleurs Shaklumfir qui à nouveau part sur une composition avec assez peu de go-in vraiment à long range. Cette fois-ci on n'a même pas l'option d'une insec par Gelius. Donc là pour vraiment aller prendre un kill, à moins que les Vitality vraiment fonce sur les Shaklumfir et que le teamfight soit remporté par ceux-ci. Ça risque d'être un petit peu délicat pour eux d'aller chercher l'avantage. En fait, s'ils sont devant, les Vitality pourront juste défendre. Ouais, c'est ça. Donc on va voir ça. Mais en tout cas, ils n'ont pas énormément de contrôle, hein, les Schalke là-dessus. Donc à chaque fois, les compositions sans contrôle se font évidemment dépasser, voire même ouvrir par les compositions avec beaucoup de contrôle, chose qu'ont les Vitality. Surtout, comment ils vont faire pour tuer un Vladimir, en fait, les Schalke? Je comprends pas. Si t'arrives pas à contrôler un Vladimir, comment tu l'empêches de sustain? Comment tu l'empêches de mettre sa poule? C'est vrai que ça va pas être facile hein, d'arriver à dominer ce Vlad. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul hard CC hein, vraiment hein, du côté de ces Shaklumfir. Après ils ont beaucoup de dégâts à prévoir, mais oh, par contre Cassing qui est un petit peu gêné ici. Steve oh, et le greffe de Julius. C'est pas mal du côté de Cassing. On ne va pas mettre l'exhaust, on va pas essayer de forcer un petit peu plus. Est-ce qu'on peut piquer un red buff? Oh l'exhaust sur Julius. On va aussi lui faire perdre un petit peu de temps. Oh, ce sera pas facile. C'est pas passé loin, il a eu peur Julius là-dessus mais il voulait absolument pas utiliser son smite. Pour le garder pour plus tard, Cassing qui fait un très très gros travail ici, qui gêne énormément ouais. Le duo top jungle de ces Shaklumfir. Et on va voir la Fiora de Steve qui va partir du coup sa bot lane pour continuer cette phase de swap lane. Je pense que vous commencez un petit peu à connaître les swap lanes. Avec 3 ou 4 personnes en train de push une lane pendant que les midlaners eux sont laissés un petit peu tranquilles dans leur phase de 1v1. Et Nekdek pour le moment qui arrive à mettre une bonne pression sur Fox. En tout cas sur CHP, il a plus qu'une potion. Nekdek lui va être full évidemment le sustain d'un Vladimir qui est inégalable. Hein. Ouais mais regardez sur son min back là, 3 minutes de jeu. Ah il a prendre le back direct. Ah bah du coup il doit avoir sa tir. Ouais, ouais, il a la tir. Il tire très rapide, hein. 3 minutes de jeu. Il a vraiment back pile poil je pense sur l'argent nécessaire. C'est ouais. L'avantage aussi du départ avec le cristal de mana. Ça permet de gagner un petit peu de temps sur la tir. Mais du coup t'as besoin de combien? 350? Je crois que t'as besoin de 350 du coup. Ouais c'est ça, donc t'as besoin en fait bah, c'est ça des 3 premières vagues quoi en gros. Non un peu plus, 400... bref 400 gold quoi. Effectivement, si t'arrives à avoir cette CS c'est bon. Bien joué du côté de Fox qui va pouvoir avoir un peu plus de DPS à apporter sur son vis-à-vis. Même si bon déranger un Vladimir c'est quand même pas chose facile. Avec un Vladimir t'as besoin de vraiment de dépasser toute ta mana pour arriver à le grignoter. Le sustain est vraiment beaucoup trop fort d'un Vlad. Ouais, puis bah, il va sustainer, ouais, effectivement, comme tu le disais. De toute façon, il va remonter en point de vie, quoi qu'il arrive. Je pense pas qu'un Rise ait vraiment l'agression suffisante. Mais on voit un petit peu de poke. Avec le shield, on encaisse le coup de tour. C'est bien fait de la part de Fox. Mais voilà, c'est quelques points de vie grattés qui vont être vite récupérés par une transfusion un petit peu boostée. Du côté de Shaklumfir, on est reparti à la défense d'ailleurs cette tour. On va plutôt aller agresser pardon, la T1. Sur la top lane, double back du coup de jungler et du top laner de ses Vitality pour aller chercher en fait l'agression sur la bot lane maintenant. Et ça wave clear pas trop mal finalement ce Rise. Il y a des mécaniques intéressantes, en fait il a deux combos on va dire de DPS principaux le Rise, un en multi cible et un en mono cible pour faire un peu plus de dégâts. Ça dépend aussi de ce que tu veux faire et tu peux aussi utiliser ta rune pour renforcer le Z pour qu'il route plus longtemps. Il y a vraiment beaucoup de choix à faire en fait sur le nouveau Rise. Oh, ils sont un petit peu ratés. Oh non, ils perdent 3 coups de tour hein, sur la bague de creep, ouais. C'est un petit peu dommage. Du coup, ils vont devoir attendre une vague supplémentaire a priori.
Ouais, ça j'avoue que c'est un peu dommage, le TP raté de la part de Steve. Et voilà, donc du coup, le swap lane qui est mis en place. D'ailleurs, les Vitality qui sont même rejoints par leur jungle. Ah, ça veut dire que les Karim ne farment pas dans sa jungle pour ce temps-là. Après, il n'y a plus rien à récupérer hein, sur la map, à part du côté de ses loups et de ses groupes. Mais voilà, c'est pas du côté de sa lane forte, donc il n'y a pas de risqué s'y aventurer si jamais il rencontre la jungle. Par contre, ce qu'il pourrait faire, les Vitality, c'est partir sur un dragon infernal. C'est vrai qu'on peut faire un décalage directement sur le dragon infernal, c'est ce qui est en train de faire justement. On a le ping instantané, c'est bien vu de la part de Vitality. Sur le timing, certes, on perd un petit peu de farming sur le jungler. Parce qu'on voit quand même 10-16 de différence, c'est juste qu'il va arriver ici, qui va s'apercevoir de l'agression de ses Vitality. Oh, on peut faire la différence, c'est compliqué, les dégâts sont posés sont bons. Il est 25 Kilus. Il va se faire zoner un petit peu par Shook. 500 HP, le smite, ça ne se passera pas, il ne pourra pas faire la différence. On va essayer de go in sur Shook éventuellement. Pas de deuxième proc sur les Karim qui va pouvoir s'en sortir. Pas de proc de Thunderlord non plus. Et Fox avait fait le décalage, mais il a plus beaucoup de mana malheureusement. C'est très, très défensif. Effectivement, de perturber un petit peu du côté de Chalke. Mais ça va être difficile. Et regarde d'ailleurs les bots qui ont été récupérés directement de la part de Gilus. Peut-être le all-in de la part de Fox. Il arrive à faire beaucoup de dégâts. Il passe pas. Il a raté son Q-spell effectivement. C'est dommage qu'il a trop de mana restant. Il avait la marque dessus donc il avait le Q-spell qui faisait des critiques. Ça peut être intéressant pour le point le placer. Bon, ça ne passera pas. Kabocher qui va partir sur sa top lane, il a TP, on a égalité entre les deux joueurs là. Et ça a passé un petit peu le moment difficile de la Fiora. Vraiment au début, Oh, attention, le root. Il n'y a plus de mana sur Fox malheureusement. Il n'a plus de mana, mais il arrive quand même à faire beaucoup de dégâts sur Nugduck. Sur les bots, par contre, sustain, justement. Les dégâts sont bons, ça peut passer potentiellement la dernière transfusion. Ça va prendre le solo kill du coup de Nugduck. First Blood récupéré. Et Gilus n'ira pas le chercher. Attends, tu me mets poulet E? Oui. Mais c'est complètement pété. C'est craqué ce champion. Pourquoi tu crois que c'est le champion qui a le plus gros winrate de l'Occident? A ton avis? What? Gilus qui va récupérer son red buff. Attention par contre qui a signé un red buff sur le Rise. Là ça met des bons dégâts. Il est pas encore niveau 6 malheureusement. Par contre ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Il va le chasser jusqu'au bout. Parce que c'est pas trop dangereux. Le flash out de Cassing. Il a eu peur du Uber, du Q-spell. Il a bien fait. Et Gilus du coup qui va continuer avec de la puissance. Faut se méfier, on a quand même 13 CS d'avance pour le Graves, il va être très très bien lors de la phase d'agression. D'ailleurs il a fait bot de Berserker first, donc vraiment c'est parti sur énormément de farming potentiel. Shook qui va récupérer son red buff, Sprazel qui va le suivre, le route qui va passer. Il n'y aura pas de follow-up, elle était trop loin la Fiora de Steve. Et Gilus n'était pas en position non plus. Tiens d'ailleurs il y a un freeze lane de la part de Police là au niveau de cette bot lane. Je vois qu'il est quand même vachement derrière en termes de CS, 13 CS derrière. Ça m'étonnerait pas justement qu'il prenne un freeze de lane. Et là on va le revoir, hein. Le E du coup, tag pull. Et du coup tu peux l'envoyer facilement. La petite régène grâce à l'ultimate. 400 gold. Et ça le met très très bien Nugduck. Et par contre ça le met très très mal Fog. Et attention le move de la part des Chalke. Cassie n'a plus de flash maintenant, il va tomber sous les coups de Ralez. Un nouveau kill pour les Chalke. Le premier kill pardon du côté des Chalke. Et toujours un freeze de lane hein, au niveau de cette bot lane. Ouais, mais du coup, attention par contre, Nugduck qui pourrait se faire attraper ici. La méga transfusion pour se temporiser. C'est bon, un Q-spell qui ne touchera pas la part de Fox. Fox là, voilà, il commence à rentrer Catalyst plus la lame de la DS. Donc il a quand même un pool de mana qui commence à être assez intéressant. Et qui pourra pouvoir faire la différence. On va mettre une marque, le Q-spell qui proc sur toutes les marques en zone. Parce que voilà, ça dépêche quand même très très bien. Le dodge. Ouais, la cache qui n'empêche pas de pool hein, pour Nugduck. Ouais, on n'est pas encore assez tanky hein, du côté de Vladimir finalement face à ce Rise. Et bonne invade de la part des Chalke là-dessus. Ouais, petit manque de réussite, ils auraient peut-être même pu récupérer le bluff derrière, ça aurait été parfait pour eux. Malheureusement, ça n'avait pas été le choix fait. Et du côté des Chalke, il va récupérer son bluff tranquillement. Et là, par contre, il va être très très bien le Rise, il va pouvoir se permettre de spam de manière complètement gratuite avec la CDR récupérée. Surtout avec le régène de mana qui lui permet de moins subir la pression du Vladimir. Attention, Cassing qui s'avance un petit peu là. C'est le mec de la vision, Shook qui est repéré. Instantanément, c'est communiqué à l'équipe. Chaque le pire savent où est le jungler adverse. C'est une information majeure. Police. Et alors, du coup, peut-être. C'est dommage, on va pas réussir à trouver d'opportunité. Il n'y a pas de cleanse du côté de Fox. Ça ne permettra pas au Vitality de récupérer un kill pour autant.
À moins qu'il y ait un nouveau V. Justement, il va partir sur Fox, mais c'est compliqué. Il y a quand même Sprattel pour le défendre. On n'ira pas plus loin a priori. Le Pilar pour permettre un peu d'isoler quelques autres attaques sur la tour. Mais pas plus d'agression. Après, ils ont raison, hein, les Vitality, d'essayer de bouger comme ça, d'essayer de créer le mouvement au maximum. Mais attention à Cassine, par contre, à l'overextend. Une nouvelle fois, il va se faire attraper. L'ultimate de Grey pour arriver à gagner de cet HP. Un kill supplémentaire du côté de Schalke pour en plus Steve. La killing de la part de Ralez sur Police. Police qui n'a plus de supplément spell maintenant. Et finalement, le fight qui s'est retourné à l'avantage des Schalke. On va pouvoir récupérer cette tour, je pense, sans personne, trop de problèmes. C'est pas mal fait. Il est obligé de mettre une pull out. Il va régénérer un petit peu. La transmission qui ne passera pas. Oh, il manquait une petite auto-attaque de la part de Ralez pour aller prendre cette tour. Ouais. Ce sera fait sur la prochaine vague, c'est pas très grave. Ça devrait tomber maintenant, même s'il y a une salle de la part de Police, ça ne devrait pas être suffisant. Attention au lead une nouvelle fois de la part de Fox, il n'a pas son flash disponible. Pas d'agression. Et du coup, ils ont pu récupérer une tour mid. Et bien joué de la part des Schalke. Bonne réaction, parce que là, les Vitality en fait avaient un temps de jeu pour eux. Tout simplement parce qu'ils avaient push au préalable au niveau de cette botlane. Mais sauf que leur move a traîné un petit peu trop longtemps. Cassing une nouvelle fois qui fait des moves discutables alors qu'il n'est que level 4, donc il n'a absolument rien pour pouvoir s'échapper de ça. Ralez qui fait son apparition, qui fait une très très bonne culling, mais qui décide évidemment de ne pas faire check le bush. Il est avec la Yumi à ce moment-là, Ralez, donc c'est vrai que c'est pas forcément suffisant pour aller mettre suffisamment de dégâts sur une hache. Donc il peut pas aller à 100% avec sa culling. Il aurait eu le Black Cleaver à ce moment-là, ça aurait été catastrophique pour la hache. Bon, après Black Cleaver en 11 minutes de jeu. Personne n'y croit. Oui, ça permet, ça paraît un peu fou. Et là par contre Cassine il fait des coups, enfin il fait des... là en l'occurrence sa première mort quand il a donné une mort là au niveau du trap des Schalke, bon il pouvait pas s'y attendre. Par contre il a utilisé son flash face à... Duck, ça force le ghost, c'est bien vu là de la part de la duel des soldes de Schalke. Il a utilisé son flash par contre au niveau du red buff adverse, là c'était très embêtant. Puisque du coup enfin de son red buff à lui, puisqu'il est resté un petit peu trop longtemps face à un Gilus qui avait récupéré son red buff. Et après il est resté sur la mid lane alors que bon il y avait... Il y avait quand même un chassé croisé de la part des Schalke plus des Vitality. Les Schalke qui arrivaient justement pour défendre sur l'assaut de Police. Et là il est un peu overextend, donc il faut faire attention quand même, hein. Trundle c'est sûr c'est fort, ça paraît tanky avec son ultimate. Mais quand tu n'es pas encore level 6, c'est évidemment beaucoup moins intéressant. Ta chance de survie est bien amoindrie. Et prendre du retard avec un support c'est toujours très embêtant. Puisque du coup tu peux te faire farm facilement. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, surtout un support qui est censé être tanky comme un Trundle. C'est à dire qu'il va être en fait, son équipe s'attend à ce qu'il puisse aller farm de manière un petit peu isolée dans la jungle adverse pour s'avancer, prendre des risques dans les buissons. Et s'il a du retard, il va pouvoir continuer à se faire attraper. Je vais nous le dire qu'ils vont peut-être trouver la faiblesse là dans la game de ces Vitality. Après, pour l'instant, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Un petit gaggle d'avance pour les Schalke, nous le fire. C'est dire assez peu au final à 13 minutes de jeu. Allez, on va genre rajouter des wards du côté de Steve maintenant qu'on a perdu la pink ward. On essaye d'en faire un maximum d'informations. Casting qui est en train de back sur une pink ward d'ailleurs. Ok, ça va, il l'a vu, il a campé son back. Il va la récupérer sans souci. Pendant que Nekduck lui évolue au niveau de cette bot lane, il a son visage spirituel en poche, beaucoup de sustain. Il a ses bots évidemment de lucidité. Peut-être, ça passera, mais bon, pas plus de dégâts que ça. Hein. Sprattel qui peut pas vraiment se permettre d'aller chercher le Vladimir. Je suis pas sûr qu'un 1v2 il le tue actuellement. Il a son visage spirituel donc il réchauffe quand même énormément. Ouais. Après il est pas level 11, ce serait pas mal d'arriver à récupérer un level 11. Et du côté des Vitality, je suis curieux de savoir comment ils vont faire pour récupérer peut-être le maraudeur pour attraper Police. Ça fait mal quand même là, on voit. Laro peut-être. Non. Oh what, si peut-être l'arrivée justement de Shook. Laro qui va toucher sur Fox, certainement c'est la cleanse. On va flash out, juste qui prend quelques dégâts. Les dégâts de Gotero pour mettre du dégâts sur Kabocha, notamment l'ultimate de la Fiora de Steve. Est-ce qu'il peut faire la différence? Steve, non, Steve se fait complètement détruire. Énorme travail de la part de Shook. Et c'est compliqué là pour les Schalke Nullfear d'aller continuer cette agression. Et c'est dommage, j'avais plus de simulant spell du côté de Sprattel. On va pas pouvoir récupérer un kill du côté de Nukeduck, même avec 5 levels d'avance sur le support adverse. On était un petit peu trop loin pour faire son all-in. Est-ce qu'on va faire essayer de faire un zoning avec un ultimate du côté de Nukeduck ou pas du tout? Non, on va juste décider de reculer, de se replacer, récupérer éventuellement les pink wards, apporter de la vision. C'est quand même le prochain dragon, est un dragon infernal. Ça peut être un deuxième dragon pour les Vitality de ce type là. C'est vrai, il a pas de cousin à ce moment là, Fox. Il va peut-être plus s'en retourner. Et Steve qui se voit un petit peu trop beau, je pense, dans cette agression. Ouais, les FIA. Les Lions des Ondes qui est vraiment très très bonne de la part de Shook. Ouais, il a bien réagi, Shook, vraiment. Il a su saisir l'opportunité. Et c'est vrai que Fiora a l'air vraiment de chips, hein. À chaque Q-spell de la part de Shook, elle prenait pratiquement 100 HP en moins.
ce qui est considérable. Et alors, Cassing, il va essayer de récupérer un petit peu de farm une nouvelle fois. Ça lui a fait du bien d'arriver à récupérer un petit assist. Fox. Oh, il y avait un ultimate de la part de Fox pour essayer de récupérer un kill sur, sur Shook, mais il a le temps de téléport juste avant. Ah non, il a reculé, autant pour moi. Il a reculé. Il a vu l'agression de la part des Schalke. Ouais, on va voir. J'ai vraiment hâte de voir si les Schalke et Lulfir seront capables d'utiliser au maximum le potentiel du ultimate d'un Ryze. On a vu des moves intéressants, notamment pour aller prendre en fait un joueur à revers. Comme la portée de l'ultimate n'est pas si importante que ça. En fait, tu peux juste déporter. Si t'es à 4, par exemple, tu déportes 2 personnes en haut, tu gardes 2 personnes en bas et du coup, tu arrives en fait prendre quelqu'un en sandwich de ouais. manière assez efficace. C'est vrai que c'est une des utilisations intéressantes de cet ultimate de Ryze. Oui, clairement, clairement, clairement. Faire des positions de sandwich, après, c'est pas facile à mettre en place, hein, cela dit. Je crois qu'on n'a pas vu quand même beaucoup de joueurs réussir ce genre de move. Avec succès. C'est une mécanique qui est assez unique au final dans League of Legends parce qu'on a quelques moves qui permettent de se téléporter sur une certaine distance, téléporter un allié avec le time catch, mais là le Ryze en fait il met une zone dans laquelle tout ce qui sera dans cette zone et allié va se téléporter. C'est vrai que c'est une mécanique qu'on voit assez peu, le héros de la faille qui va être donné à Kabochar. Ça fait deux fois hein, vraiment que Kabochar récupère ce héros de la faille, ça gêne énormément Steve potentiellement. C'est vrai que là, vu le retard qu'il accuse un peu, non, il a pas encore terminé son premier item alors qu'on a la Setfire sur le chaîne, ça pourrait poser ouais. quelques soucis à Steve. Ouais, clairement, surtout que là les Schalke ils ont donc une composition d'équipe où il n'y a pas énormément de contrôle, donc au niveau des pick-up c'est pas trop ça. Mais par contre ils ont une composition d'équipe qui va faire beaucoup de dégâts. Justement avec cette Shiraz, Ryze et Graves et Lucianne. Donc en fait faut qu'ils arrivent à temporiser suffisamment pour compenser en fait leur absence de CC avec énormément de DPS. Mais effectivement, si Steve est embêté par Kabochar, si Kabochar lui peut se dépasser tranquillement sur la lane aussi bien et sur la map, aussi bien avec son téléport qu'avec son ultimate, et ben ça va être très très embêtant pour la composition des Schalke. Ils vont avoir beaucoup plus de mal pour arriver à récupérer des kills. Et ils vont pouvoir se faire pick-up par un monstre de Kabochar qui sera très très difficile à tomber. Et c'est vrai que finalement, si les Vitality arrivent à tomber Fox pratiquement dès le début du fight, je vois pas ce qui peut tuer Kabochar en fait. Ouais, effectivement, ça va être compliqué. Il est invincible. Après, Ralez, il a Yaomu, il a pas encore le Black Cleaver. On va voir aussi un Black Cleaver sur Steve qui devrait pas proc après l'Hydre Vorace. Donc on aura quand même pas mal d'éléments de pénétration physique, notamment chez CHH Nulfir. Après, c'est un build qui va être beaucoup moins efficace passé les 30 minutes de jeu quand on aura en fait 2 ou 3 items de tanking sur Kabochar. Je pense que du côté des CHH Nulfir, on a absolument envie de terminer la game rapidement avec Jilius. Avec Steve, donc vraiment deux champions qui vont être très très forts en termes d'agression physique tôt dans la partie. What, sur un move, sur Fratel, est-ce qu'on arrivera à ramener? Les dégâts sont Fratel bons. Sur la tête de ses alliés, il devrait aller. On va essayer de garder la Légion des Ombres jusqu'au flag de Fratel. Il s'est fait cancel sur haut, du coup Fox qui va prendre le kill sur Kabochar. Il s'est fait un petit peu avoir, l'exos qui force, ce sera qui va quand même tomber. Ce sera un kill partout. Jilius qui va se faire agresser peut-être par oh. Police, la flèche de cristal peut-être. Y'a pas d'arrow. Et Jilius qui va pouvoir désengage grâce à un démage collatéral. Et Dragon Infernal du coup directement qui va te récupérer du côté des Vitality. Kabochar qui est mort. Ah j'ai pas vu où il est mort. Et en fait il s'est fait cancel son ulti, il s'est fait attraper par Fox. Okay. On l'a pas vu à l'écran mais c'est pas contre le TP. Steve qui va se faire recevoir. Très belle parade de la part de Steve qui va empêcher le bump de Shook. Et le Drake Infernal qui a été récupéré. Énorme move de la part de Shark Lufier. Attention par contre Steve. C'est pas très bien positionné. C'est compliqué. On va pouvoir dash out. Steve qui kite un petit peu, enfin qui kite un petit peu par police. Le flash in, flash out de police, on n'a pas pu mettre la cage. Attends sur Fox, il a essayé de mettre la rune avant pour pouvoir prolonger la durée de la cage. Mais police a bien réagi, flash out, on n'ira pas plus loin. Ouais, c'était greedy hein, de la part de... Après c'est leur seul CC, donc bon, s'ils n'arrivaient pas à le lock maintenant et à le tuer, c'était difficile. Ah oui d'accord, ah oui d'accord. Oui. Ah oui, et en plus il cancel son TP, oh waouh. Il aura tout tenté Kabochar pour se sortir. Ah, rien n'est passé. Là c'est chaud quand même. Le téléport en prime, je savais pas si c'était vraiment utile. Je pense pas qu'il pouvait se sortir de là quand même. Il y a quand même beaucoup de dégâts hein, de la part de Fury et de Ryze. Faut pas sous-estimer le nouveau Ryze. Alors t'as un escarmouche pour mal hein, vraiment les chacun, puis mine de rien. Surtout avec le Dragon Infernal récupéré en plus. On va avoir vraiment des gros stéroïdes d'AD sur énormément de joueurs qui vont build beaucoup d'AD. Le Lucian, le Graves et la Fiora vont build beaucoup d'AD. Le Ryze aussi va build beaucoup d'AP. On va faire attention, ça peut snowball rapidement. Et je pense un Dragon Infernal qui va pop après.
Ouais, le troisième de la game. Donc alors, un petit point au niveau des stuffs. Du côté d'Echo Fox, de Fox, on a récupéré du coup le bâton séculaire et l'archange. Qu'on va essayer de stacker le plus rapidement possible. Du côté de Fura, on a maintenant deux items avec le diamant maintenant qui n'est pas encore complété. Hydre Vorace probablement du côté de top laner des Chalke pour justement avoir pas mal de sustain. Le Black Cleaver est en poche pour justement arriver à pénétrer un petit peu dans l'armure de Cabochard et arriver à tenir son 1v1 un peu plus facilement. Du côté de Police, on est parti sur le Runan en first item. Pas d'essence river directement. Runan, et attention à la roue, est-ce qu'on arrive à trouver un flow du côté des Vitality? On va pouvoir le wave clear est présent du côté des Chalke, ce qui devrait être très bon, un petit peu le push de la part des Vita. Ils ont un très très bon wave clear les Chalke Fear. Mais attention par contre l'arrivée sur Rales qui pourrait tomber, Rales qui va tomber sous les coups de Chou. Très belle agression de la part de ces Chalke Fear. Gilius qui va flash out, dégâts de côté mec, les os, il va se faire attraper. Je pense que tu es décédé là Gilius, c'est compliqué quoique, dash out, on peut temporiser, ça force le flash in de la part de Cabochard. La salle. Police qui va prendre le kill et Noob Duck qui est sous exhaust mais qui permet de sécuriser Steve qui ne fera pas la différence malheureusement. S'il a réussi à récupérer un kill sur H, c'est pas trop mal. Effectivement, j'avais pas vu. Est-ce qu'on peut arriver à faire ça du côté de Fox? On est quand même full life. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un catch? On n'a pas de flash de disponible. On a son ultimate. Est-ce qu'on essaie de l'utiliser ou au contraire jouer safe et se concentrer sur le farm plutôt? Est-ce qu'il peut forcer quelque chose peut-être là les joueurs chez Aknulfir? Pourquoi pas aller chercher une T2? Il n'y a plus de défense là mis en place par les. Quoique ça ping sur le Vladimir, on va essayer d'attraper avec l'ultimate de Fox, c'est intéressant. Voilà, c'est mis en place l'arrivée justement des deux joueurs, on se téléporte à deux. C'est bien vu de la part de Steve, on a pas. Non, il rate son dash, Steve. Du coup, on pourra pas aller chercher ce Vladimir. C'était bien vu de sa part, on n'a pas pris le TP en se disant que le Vladimir va en fait se refluer vers la rivière pour le prendre à découvert. Ah, d'accord, en fait, le pilar qui a cancel le dash de Rales quand même. Ouais. Très propre de la part de Kassig, même si je pense qu'il a eu pas mal de réussite là-dessus. Bon, Cabochard qui a du mal hein, à mettre. D'accord, Police qui est complètement pris à partie. Il n'y a pas d'ultimate encore du côté de Cabochard pour sauver son carriadé. C'est compliqué quand même pour mais Cabochard, je crois qu'il a réussi aucun taunt là pour le moment. C'est vrai qu'il est un petit peu moins efficace que Steve sur son chaîne pour l'instant. Moins de taunt récupéré, moins de dégâts aussi possible dans le teamfight malgré tout. C'est vrai que c'est marrant, il a mis aucun taunt je crois vraiment depuis le début de la game. Tous les taunts qu'il a tenté ont été flash par l'adversaire. Et là en l'occurrence bon c'était un taunt raté sur Echo Fox. Ça commence après bon il devrait pas trop être inquiété même s'il a un petit manque de réussite sur les taunts. Il devrait pouvoir s'emparer de la win sans trop de difficultés vu la composition qu'ils ont. S'il arrive à continuer comme ça, à ne pas trop conseiller d'objectifs et à récupérer des kills par-ci par-là. Ça manque quand même sur Rales le Black Cleaver qui manque là 23 minutes de jeu. Ça commence à être un petit peu tard quand même. Il va falloir absolument avoir ce deuxième item pour le carry AD des Chalke Nulfir pour réussir à faire des gros teamfights. Parce que là on le sent en teamfight, sans contrôle, c'est tellement dur pour eux de DPS. Ils peuvent pas vraiment se permettre de taper comme il faut sur la back lane, enfin sur la front lane. Du coup la back lane qui peut DPS de manière complètement gratuite. Et c'est compliqué à malgré les bons flankings de Steve pour aller notamment assassiner Police. Ça risque d'être pas être suffisant parce que Noob Duck lui fait mal. Ça y est, le taunt qui a touché. Ouais, c'est facile à récupérer hein, quand on est deux. Et en plus, les Vitality réussissent à avancer un petit peu sur la tour mid. Chou qui va prendre le trade sur Gilius. Ce qui va mettre. Et la roue aussi. Je sais pas ce qu'il a tenté là, Gilius. C'était assez étrange. Un peu à se fissurer. Hein. Il faut faire gaffe du côté Schalke. À pas se laisser dépasser. À pas se laisser envahir par la composition de Schalke. On va aller rattraper peut-être Police par derrière ici. L'engage, il y a un bon pilier pour disengage. Police qui va se faire DPS. Flash out. Il va gagner un petit peu de temps pour ses coéquipiers. Du coup, on va pouvoir avancer au niveau de cette tour bot. Si on arrive à faire l'exploit, peut-on faire l'exploit? Il peut rejoindre ses coéquipiers peut-être Police. Et oui, c'est bien protégé. Par contre, Kassi qui va donner sa vie pour ça. Pour sauver son carry AD, Police qui va pouvoir rejoindre son équipe en toute sécurité. Il faut faire Nashor côté Schalke. Il faut absolument faire Nashor. Est-ce qu'il peut y avoir un flash-in de la part de Fratel? Non, pas de flash-in. Ouais, il faut faire Nashor. On a quand même beaucoup de dégâts. On a Greve, Lucian et Fiora.
les DPS maintenant qui est mis en place côté de l'équipe allemande. Est-ce qu'on arrive à trouver le Nashor sans être contesté par les Vitality? Ils arrivent mais c'est un peu trop tard. 1800 HP, là, le steal peut-être. Ce sera pas steal, Chou qui va tomber sur cette agression. On peut pouvoir régler un petit peu en plus de l'ultimate de Fiora. Flashing le Sprattle, on va mettre la poupe pour éviter le slow. Très bon call. Ouais, c'est bien fait. Hein. On et en plus, on va pouvoir enchaîner sur un deuxième dragon inferno. Ouais, ça va être pas mal effectivement. Jacques Mulfier qui font une très belle performance. On a le Black Cleaver en plus complété sur Rales. Donc là, on a vraiment le gros spike d'efficacité de la composition de ces Jacques Mulfier avec le bâton séculaire qui est full stack. Et ce Grève aussi sur le back devrait pouvoir acheter. Voilà, son Black Cleaver. 3 Black Cleaver dans la composition. Jacques Mulfier. Autant dire que avant d'avoir 2 items d'armure, je pense que Vitality risque d'avoir quelques problèmes. Ouais, et là c'est embêtant parce qu'il c'est vrai qu'il s'en fait rattraper sur cette action là. C'était bien joué de la part de Police d'arriver à de réussir à s'échapper. Un peu moins de la part de Casting, surtout qu'il avait pas forcément besoin du pilar en fait. Là il a strat à combien Chouk? Oh c'est joué de peu. Hein. C'est joué de très peu. Hein. Je pense qu'il a du smite à 800 ou à 900. Ouais ça joue rien effectivement. C'est dommage. Et alors du coup, les Chalk du coup qui sont dans une bonne position là pour le moment. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à temporiser un maximum côté Vitality pour arriver à tenir face aux DPS des Chalk? Pour le moment on a du mat à mettre en place le speed push. On les attend, on va essayer de ramener avec le Karim peut-être, prendre un bon flanking. Avec une flèche de cristal de la part de Police, ça peut aller très vite en termes d'engage. Il faut se méfier hein, du côté des Chalk Mulfier. Ne pas se faire attraper. Ça va aller, on devrait pouvoir mettre quand même de la bonne pression cette T2 en mid lane malgré le bon dépush offert par les Vitality. Steve ici qui va mettre une bonne parade sur la transfusion chargée de Nuke Doc. On va partir à l'agression, Cabochard qui prend quelques dégâts, ça fait quand même pas mal de points de retiré. L'arrivée sur Sprattle, Sprattle qui a pour les engage, on est safe du coup. Rales qui a pris une flèche de cristal, ça ne suffira pas. Et Chou qui va tomber sous le coup de Fox. Oh les dégâts de la part de Fox. Le TP de Sora, il va essayer de s'attraper, peut-être Police. Facile. Police qui va tomber par Steve Shotton, récupérer double kill pour Fox. Les Chalk Mulfier qui font le creux et qui vont pouvoir aller chercher cette T2. Énorme travail de la part de Fox. On en parlait, que vaut un Rise? Et ben voilà. Et, ouais. Et finalement, DPS supérieur à contrôle. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, ouais. Après sur le late game, j'en suis pas sûr. Attends, mais il peut finir la game là. Il n'y aura même pas de late game, Steve, j'allais dire. 15 secondes pour Chou, 25 secondes pour Nuke Duck, ça va pouvoir aller très loin. Et on va avoir un tie-break, mon cher Tech. Ouais, effectivement, au tie-break entre ces deux équipes. La tour qui va tomber. Ouais, on va faire une dernière suite a priori. Attention, le top par contre sur 3 personnes. C'est pas mal fait de la part de Cabochard. Non, en fait, la fin de la game. L'arrivée de Chou, peut-être mettre des dégâts sur Rales. Et non, le Nexus qui va tomber. Très belle performance de la part de chez Jacques Mulfier en 27 minutes de jeu. Le dernier teamfight qui fait la différence. Fox qui a été impérial sur le sniping de cette hache. Waouh. Il prend le kill sur Chouk. Derrière il snipe la hache et il se repositionne derrière la tour pour mettre de la pression, ça permet à sa backlane de DPS. En fait, c'est pas un pick par le contrôle, c'est un pick simplement parce qu'on met trop de pression. Oui, voilà, le Rise met tellement de pression, t'es obligé de reculer. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Le DPS qui a été mis en place de la part de Fox a été incroyable. Et du coup, évidemment, c'est dur d'arriver à le tenir. Et c'est dommage hein, de se faire un petit peu relâché hein, côté Vitality et d'avoir perdu en tempo. Ouais, c'était très bien vu de la part des Chalk. J'aime beaucoup vraiment ce style de jeu. On va vraiment chercher à clôturer les games rapidement avec beaucoup de dégâts. Des teamfights assez aventurés quand même. Ils ont juste attendu qu'on leur fonce dessus. Tout simplement, on avait une composition avec beaucoup d'engage du côté des Vitality et on avait les dégâts pour les accueillir en fait du côté des Shark Mulfier. Donc à chaque fois c'était pareil, Chouk qui essaie de mettre une légion des ombres. D'ailleurs on a des shields, notamment le Karsala Karma pour temporiser un petit peu. Tout simplement le temps que le burst en fait, du Ekarim soit passé. Et d'ailleurs Chouk qui se faisait détruire par Fox, ouais. Et par Rales aussi. On avait vraiment les dégâts pour absorber. Avec un Jilus qui décidément sera à 100% win rate sur son Graves. Il arrive vraiment bien à le faire fonctionner le pick. Ouais, je suis vraiment étonné. Hein. Pourtant, il y a eu pas mal d'erreurs quand même de la part des Schalke dans les débuts de partie. Il y avait un bon temps de jeu, un bon tempo qui avait été mis en place de la part des Vitality. Mais à partir du moment où ils se sont stoppés, bah évidemment, la composition full DPS gagne.
t'arrives pas à mettre un bon chaîne CC du côté des Vitality, si t'arrives pas à faire des pick-ups, si t'arrives pas à maintenir en fait ta rigueur au niveau du des escarmouches, et ben tu te fais dépasser directement. Et c'est ce que c'est ce qu'ont fait les Schalk, effectivement. Les Schalk. Yo. Salut. Bonsoir. Et donc à mon avis on n'aura pas de d'interview. Hein. Dis-moi si je me trompe, mon cher. Ouais, ça m'étonnerait, j'ai vu tous les joueurs partir avec leur staff sous les bras. Donc on va se préparer doucement pour le tie-break du côté des Vitality et des Schalke nous le fire. Donc du coup, mon cher Tech, qu'est-ce qui nous attend pour le prochain BO2? Ça sera du coup Origen contre H2K, si je ne m'abuse. C'était ça, effectivement, Origen contre H2K. Donc voilà, restez évidemment connectés sur la TV2 pendant qu'il y a un autre match, hein, TV1. Qui est, tu peux montrer rapidement Tech, ça te dérange pas. Actuellement, il doit y avoir UOL contre Splice. Non, Giants contre Euro 4. Ouais, c'est ça, c'est le Giants 4, c'est ça, qui doit être en train d'être joué. Qui va tarder à finir, a priori, parce qu'on est quand même sur les mêmes timings, je pense. Et du coup, après, donc, sur notre final, donc, on aura le Origen H2K. Et sur la TV2, ce sera du coup Gamers 2 contre Fnatic. Et sera chaud dans l'interview, d'accord. Le bon jeudi! Eh bah écoute, on va rester, du coup tu nous dis quand il est quand l'interview est disponible. Ah bah c'est parti. Interview. I think like Fiora got some kills that she should not get and well they just I would say outrotated us in a moment of the game which is really crucial, which is around Nashor, and they get Inferno right after. So that's pretty bad. Also on the second Inferno, I think we get a kill, but they get a kill on Cabo, and we cannot get Inferno while we have control of bot side, so that was like pretty bad for us. So well, when you get three Inferno and Nashor, you can only lose, so that's really bad. Obviously a pretty good situation for Schalke to be in. Now, looking ahead, a lot of pressure on you guys coming. One more game can decide whether or not you'll be safe or moving into that promotion tournament. Are you guys feeling the pressure right now? What do you think the mental state of the team is like? No, we have no pressure because, of course, there is like a goal, like is to not be in relegation. We are because we're already like kind of disappointed by the fact that we are around 7th and 8th place already. So we are just like trying to prove ourselves that we are actually good players, good like a team overall. So this is like pretty good also to have a third game because at least we get to BO3. Living, I guess, the dream. We'll see what happens in the coming seasons, of course. But looking ahead, have you guys even considered the promotion tournament? Or is there even any worry that you're going to end up there? And have you looked at the opposition that you could potentially face? Yeah, of course, we looked at a potential outcome, but we are not thinking about this because we already have enough time. Of course, I didn't prepare against, I think it's Millennium in case. But we will just go into this game with the mentality of winning because... you can win one game, you can lose one game, but the best team usually wins in the BO3. So if we have like a good mental strength and if we have like good attitude coming into this game, then I think we will get it. All right, well, thank you very much for talking with me. Of course, good luck with your next few hours of prep before we get into that final tiebreaker. But that's going to do it for us here on the interview area. We're going to send it back over to the analyst desk to break that game down. Et voilà, effectivement, Sean qui nous disait que ça lui permettait du coup de jouer un BO3, d'avoir ce tie-break. Donc, et qu'il fallait surtout avoir une grosse, grosse force mentale pour arriver à gagner. Il est assez confiant, comme ces joueurs, voilà, effectivement. À rester concentré dans le BO, vraiment. Ils vont avoir un petit temps de repos, le temps que cette game, du coup, Origen contre H2K se joue. On va vous rappeler quand même que ce qui se passe fin août, c'est quand même assez stylé. On a la viewing party au Bellucci qui va être un sacré événement, plutôt stylé. On y retourne hein, après ce qui s'était passé l'année dernière. C'était assez... moi franchement j'ai kiffé, j'ai adoré, c'était vraiment, vraiment stylé ces Worlds là avec le suivi au Bellucci. Gros match. Oui, c'est vrai que c'était pas mal. Et donc du coup, on va refaire la même, les mecs, rebelote sur ce split-là. Gros avec du coup, une finale potentiellement Splice contre G2, à moins que les Fnatic arrivent à créer l'exploit sur la dernière semaine, là, enfin sur les derniers jours qui restent. Ça va être difficile, mais je sais pas si c'est possible. Non, je crois que c'est même pas possible en fait. Non, bah, ils seront en playoff quoi qu'il arrive, les Fnatic. Donc, ils seront en playoff, oui. Après la fin des playoffs, ils pourront aller à la finale du coup. Ah, ça va dépendre des résultats des playoffs. Effectivement, c'est vrai que Gamers quand même est affiché grand leader de ces LCS EU pour l'instant, qu'on pourrait les voir en finale. On aura aussi après la finale des EU avec du coup le fameux TSM contre NA, tu veux dire de NA, oui pardon, voilà, TSM contre a priori Immortals quand même, Immortals, qui sont les grosses équipes dominantes sur les NA. Se réveille.
Ouais, du coup, ça va être une belle journée, hein. Dimanche 28 août. N'oubliez pas, à 15h, on aura l'ouverture du bar avec les matchs qui commencent aux alentours de 17h. Il y aura évidemment un pré-show à 16h. Et ensuite, les finales NA qui commencent vers 21h. À la fin, vers 1h du mat, après quand les BO seront finis, on aura évidemment la fête jusqu'à 5h du mat pour rester un petit peu tous ensemble. Ouh, et profiter de la soirée. Oh, t'as l'air... Moi, je suis festif, moi. Hein. Ah, j'hésite pas. Non, mais si, franchement, on s'amuse bien. On s'amuse bien au Willucci. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller réserver vos places, hein, évidemment. Il y a, je crois, encore des... Donc évidemment, il y a le grand package, full package avec les billets Challenger. Il n'y en a plus, Challenger. Il n'y en a plus, oui, effectivement. Dommage. Tout a été vendu. Il fallait être plus rapide. Il reste par contre des places diamants à 20€. Donc n'hésitez pas pour aller justement avoir droit à une conso et voir du coup les games en mode cinéma. Et après, il y a les places évidemment debout qui avec une conso aussi évidemment pour 15€. Sur la grande salle en fait, là où il y a vraiment, bah, il y aura a priori toute l'ambiance massive avec tous les gens qui sont rassemblés ici. C'est pas exactement que assis, mais simplement vous n'aurez pas de siège assigné. Assigné, c'est ça. Du coup, vous n'êtes pas sûr d'être assis tout le temps. Mais voilà, ce sera l'ambiance. Il y aura des 12 casters présents. Donc vraiment, si vous avez un caster préféré, vous pouvez forcément le voir. Si vous avez caster à détester, vous avez absolument envie d'engueuler, mais il sera aussi présent. N'hésitez pas à venir vous engueuler. C'est le moment de faire vos critiques, les mecs. C'est ça, hein, en face directement et pas sur le chat. Surtout sur lui. Hein. Oui. Ah bah moi, faut pas. Non, mais moi, en face, tu sais, je fais peur. On est d'accord. Tu vois, tel que tu me vois là. Ah, je suis impressionnant là. Je l'ai même pas. Hein. Ah ouais. Mais c'est Sandy Kilo qui se cache sous ce t-shirt. Et ouais, parce que vous voyez pas sous le bureau ce qui se passe et tout, la puissance de mes cuisses et tout. Et ouais. Non, pas du tout. Et donc du coup, bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va vous laisser et qu'on vous retrouve tout de suite pour le deuxième BO2 de cette dernière journée des LCS EU, Origène contre HCK, après la pub. Le mardi, quand tu te retrouves à 100% comestible, t'es deux plus un réalisateur, c'est genre... La descente est ultra brutale. Et après tout, pourquoi on remettrait pas ça ?